Et bonsoir. Et oui, dans le timing de la musique, parce que je suis absolument pas musicien. Comment ça va les amis, les copinous, les copains, les gros cons? Ah, j'ai mal à la tête et je stream. C'est à quel point je suis dévoué, tu vois. Je donne mon corps à votre amusement et je trouve que c'est magnifique. Quelle sale merde je suis. Non bah ça va en vrai. Pourquoi j'ai coupé la musique? Mais non je... Ah, c'est vrai qu'il s'est coupé tout seul, ok. Non, j'ai de la musique. On va discuter un peu, je veux de la musique, j'ai dit. Oh mais pas ça, c'est trop... Action, musique tranquille, eh oh, ouais, musique tranquille. Voilà. Voilà, parfait. Hop. Du coup, je disais... Ça va, j'ai chaud. Extrêmement chaud. Et mal à la tête. Mais sinon, ça va. Demain, c'est les derniers jours de cours, après week-end. Du coup, Wiguchi, comme on dit. Ah. Plus si je me concentre, je vais dormir. Alors du coup, mis à part que moi dans ma vie ça va bien, est-ce que dans votre vie ça va bien? C'est ça le principal. Il fait trop chaud, mec. Je suis sorti de cours à 16h, tu vois. Donc déjà je sors, j'ai mal au crâne parce que c'est le bordel et que le silence me manque. Du coup, je vais à ma voiture et garée en plein soleil, hein, bien entendu, hein, en plein cagnard. Je rentre dedans, je mets le contact. Je vois 42 degrés à l'intérieur, mec. J'en pouvais plus. Les 10 minutes du retour, j'en pouvais plus. En plus, là, je vais suer. Du coup, j'ai pas encore été à la douche, tu vois. Parce que sinon, il faudrait que j'aille me relaver encore. Et 3 douches par jour, ça va commencer à faire cher. Donc, j'ai chaud. Je colle un peu. J'ai envie de me scalper la peau, en fait. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais sinon, ça va, en vrai. J'aime bien mes cours. Il manque plus que demain. Demain, c'est que des CM, donc ça va être juste la branlette. Mais tout mon programme, à part le russe que j'ai pas encore fait, tout mon programme scolaire est intéressant. Alors, tout le monde s'en branle, tu vois. Mais je tiens à le dire. Moi, je suis content. Parce que c'est rare que un programme scolaire m'intéresse. Salut Mirage, salut Hades, et ça va très très bien les copains. Et salut tout le monde bien entendu. Hein. Ah. Mais du coup on fait pas ça pour parler de moi. On parle de la PS5 quand même. Oh, c'est dans le titre. J'ai envie de parler de la PS5 parce qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'admirable qui a été de ne pas aller dépenser mon argent. Alors que ça fait 3 mois que j'arrête pas de dire ah oui, c'est la DD1, c'est la DD1. Et ben non, finalement. Ouais, non, tout m'intéresse. Alors il y a un cours que j'ai pas été hier, malheureusement c'est un CM donc c'est pas trop grave. Mais parce que j'étais à la salle et que j'ai pas vu l'heure. Et du coup, j'ai loupé. J'ai pas vu l'heure, il était 15h30, je suis rentré chez moi vers 16h. J'ai regardé, j'ai fait A. Ah oui, A, c'était A. Et B, c'est pas grave. Et la prochaine fois, on fera attention. Et non, du coup, Maximilian, je disais justement que... Cette année, pour cette console, j'ai le temps, finalement... Tu vois, en plus d'avoir des études qui m'intéressent, j'ai le temps et surtout j'ai l'argent. Et je me dis que c'est pas forcément la meilleure chose à faire d'aller me casser les couilles à faire 7 magasins différents pour essayer de précommander une PS4 avec un pauvre jeu à la con. Alors que je pourrais attendre et me choper et aller juste m'acheter un pack avec des bons jeux dedans, tu vois. Mais il y a pas que ça aussi. Il y a le fait aussi que finalement il y aura pas forcément de... Comment dire? De rupture de stock de la PS5, tu vois.
Genre, tout le monde le dit, et c'est pour ça que tout le monde en a peur. C'est les gens créent la leur propre rupture, tu vois. Mais même si c'est marketing, bien entendu, hein. Quand le CEO là, Jack Ryan, je crois que c'est ça en plus, un peu mime. Quand Ryan il dit que il y aurait je sais plus ce qu'il a dit, hein, je sais pas s'il a dit des chiffres ou un adverbe, mais qui disait qu'il allait avoir infiniment de plus de PS5 à la sortie que de PS4. Et quand tu mets ça en lumière par rapport à ce qui s'est passé quand la PS4 est sortie, qui était littéralement la même chose que pour la PS5, des rumeurs qu'il allait pas en avoir pour tout le monde, si tu veux. Quand le mec il dit ça, même s'il y a une part de marketing derrière, si tu veux, c'est tranquille. Enfin, vraiment, c'est tranquille de fou. Je sais pas pourquoi les gens ils stressent. Et c'est pour ça que je me dis que ça sert à rien de. Enfin, y a pas que ça aussi. On va dire qu'il y a 20% parce que j'ai l'argent, tu vois, et le temps. Il y a 40% parce qu'il y en aura pour tout le monde, ça c'est sûr. Et il y a aussi parce que Cyberpunk 2077 sort en même temps. Et quand je dis en même temps, c'est pas dans la même période. Il sort le même jour. Il sort le 19 novembre, qui est la date de sortie de cette grosse connasse. Du coup, si tu veux, quand t'as lu tout ça, bah je me dis que j'ai pas forcément besoin d'aller acheter une console maintenant, si tu veux. J'ai de quoi streamer Splinter Cell. Ah oui, d'ailleurs, attends, je vais y venir à Splinter Cell à Destu. Petit connard, là. Putain, Splinter Cell. Putain, ça revient, j'en ai marre, c'est bon. Salut, Kinoa, ça va quoi? Du coup, je disais... Non, Cyberpunk, ça aura pas rapporté, me casser le temps. Eh, c'est bon, non. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Jamais. C'est fini. Ah, c'est fini. A pu le report. Ah, c'est fini, c'est bon. Ah, c'est mangé, hein. 19 novembre, c'est terminé. Et du coup, j'ai ressorti ma PS4, ma PS3. Et donc, elle marche parfaitement bien en HDMI et tout. Du coup, c'est dire que je vais pouvoir la streamer avec l'Elgato. Ce qui veut dire, Hades, que je vais pouvoir streamer Splinter Cell Chaos Theory sur la PS3. Parce que je l'ai sur la PS3. Ce qui est magnifique. J'ai vu ça hier, j'étais trop heureux. Il marche et tout, c'est parfait. Du coup, ouais, j'aurai juste à setup ça, mais au moins je pourrai le faire là-bas. Et ça, c'est génial. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver de quoi streamer de la Xbox, mais ça peut attendre. Et justement, j'ai plein de trucs à streamer avec l'Elgato sur mon PC, plein de trucs à jouer aussi, tu vois. Et je me dis que, acheter une console qui... Je mime pas dessus, hein. Mais qui va pas forcément avoir de jeu dessus. Parce que je me suis même pas renseigné et je sais même pas comment ça se passe pour les packs. Parce que tu sais. J'aimerais bien que vous m'éclairiez là-dessus. Tous les gens qui ont précommandé la PS5 sur Amazon, sur la Fnac, en ligne en tout cas, tu vois. Ils ont juste un pack normal, tu vois. Enfin, quand tu regardes, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jeu de lancement dedans. À part leur truc à la con qu'ils ont mis dans la PS5, quoi, de base. Oh. Ouais, non, mais vas-y, si je mets ça, je vais devoir danser et tout. Non, tais-toi, D4. Tu m'as réveillé assez longtemps. Il faut changer, voilà. Parce que tu vois, il y a ça aussi, parce que je t'avoue que j'ai un peu la flemme de m'en trouver avec un pauvre jeu que j'aurais pas forcément choisi, que j'aurais pas forcément envie d'aimer, tu vois. Genre, imagine, tu as préco et tu te retrouves avec le jeu de Devolution Derby, là. Bon, j'ai un peu la flemme. Du coup, je préfère attendre et d'avoir un pack... Un pack avec un jeu, voire même un gadget, mais bon, je sais pas si ça se fait. Salut DP, salut Jericho. Un avis sur le Mafia qui sort le 25. C'est Mafia 2 qui sort le 25? Ou c'est le pack entier qui sort le 25? Parce que si c'est le pack entier, tant mieux. Et si c'est que le 2, c'est pareil. Hein, ça donnera l'occasion à des gens de le refaire, à des gens de le faire tout court. Donc le 2 est génial. J'ai entendu dire qu'ils avaient changé quelque chose, mais enfin quelques trucs au niveau
au niveau du scénar, je crois. Mais c'est à faire. Je crois qu'il va pas sortir à 60 balles en plus. Ça va être un genre un truc à 40 balles, je crois. Pour un repack de deux jeux. Un repack, pardon. Un remaster de deux jeux. Lapsus. C'est le premier. Ouais, bah, c'est, bah le premier, non, bah c'est encore mieux quoi. Mais c'est pas tout le pack. C'est quand qu'il sort tout le pack? Y'a pas tout le pack qui devait sortir aussi? Je crois qu'ils devaient faire ça. Mais c'est peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est le premier. Bah, je crois que c'est pour le premier qu'ils ont changé le truc du scénar. Mais ouais, voilà, un jeu qui a 18 piges. Non, c'est. Bon, on attend toujours au cas où, si tu veux, les 2-3 premiers jours, les testeurs, si le truc il a chié, si tu veux. Mais non, je pense que ça va être, pour ceux qui ont de la thune et qui ont envie, ça va être un achat. Un bon achat à faire direct. Hein. Perso, le fait que Spider-Man sort aussi sur PS4, ça va m'éviter d'acheter la console juste pour un jeu. Bah après, moi, je vais l'acheter pour streamer les exclus, hein, bien entendu. Mais c'est ça aussi, quoi. J'en ai déjà à faire sur PS4, si tu veux. Et même en 2 mois, hein, on est qu'en septembre. Même en 2 mois, si tu veux, c'est pas la hype qui va redescendre, mais c'est pas l'envie d'en acheter une qui va remonter, quoi. Après, le premier jour, enfin quand elle sortira, si tu veux, je vais aller faire des courses dans un supermarché, tu vois. Ce sera plus fort que moi, j'en aurai besoin, tu vois. Pour m'acheter des vivres, une PS5, au cas où. si je tombe sur une petite console avec Demon's Souls, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, bien entendu. Mais si je tombe pas dessus, tu vois, ça va pas me... Je vais pas en acheter une sur le bon coin à 600 balles. Je suis pas aussi désespéré, tu vois. Et pour répondre à ta question, qui c'est qui m'avait demandé? Attends. Ouais, avec en sous-lecteur, avec ou sans lecteur? Avec lecteur, Max Mildan, parce que du coup, je suis pas. Alors déjà, j'aime beaucoup avoir des CD. Hein. Enfin, je suis extrêmement. Attends. Je suis quelqu'un de matérialiste. J'aime. J'aime les produits, j'aime les toucher, j'aime les avoir. Produits majeurs, bien entendu. Et du coup, je vais m'orienter, bien entendu, vers le lecteur, vers la console avec lecteur. Et en plus de ça, j'ai des Blu-ray à la maison. Donc, il faut bien les lire, les Blu-ray. J'achète pas une console pour jouer, moi. J'achète pour lire une putain de Blu-ray. Il fout, lui. Et mis à part ça aussi. Je sais pas si vous avez vu, c'est aussi pour ça que je fais cette petite discussion avec vous, mes chers amis, que les jeux allaient être à 80 balles, du coup. Donc les jeux sur le store, point, et du coup en magasin, enfin en magasin. Enculé ! En magasin spécialisé. Merci Captain The Wave. Bonsoir, ça va poto ? Et ouais, du coup ils vont être à 80 balles en magasin spécialisé. Bon, j'imagine que Carrefour, tout ça sera forcément moins cher, hein, comme d'hab. Mais il y a déjà. Enfin, il y a des. Voilà quoi. Les prix à Micromania, si tu veux, ça sera 80€. Et le truc, c'est que. Déjà, tu vois, j'aime pas le démat. Genre, pour les DLC ou quoi, je m'en fous. Ça passe. Mais pour les jeux, il me faut le CD. Et encore plus maintenant, quand. Si t'achètes une console 100€ moins cher. Et que tu te retrouves à acheter 2-3 exclus à 80 balles sans réduc, parce que bon, on sait tous que les réductions sur le PlayStation Store, on peut se moucher les couilles. Voilà, elles n'existent pas. Et c'est très rare. À part attendre 3 ans, mais bon, c'est bon. Et du coup, le prochain jeu, probablement ce sera Le Bon Coin ou des trucs comme ça, ou des grandes surfaces, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que je vais acheter avec un lecteur. Bien, et toi, bah ça va tranquille. Hein, essaye de pas trop avoir mal à la tête, mais ça va sinon. Moi aussi, avec les boîtes, j'ai pas mal de boîtes. Ouais, c'est un gros parti pris, parce que c'est pour ça que j'ai acheté une PS3 à l'époque. C'est pour ça que j'ai acheté une PS4. Enfin, pas forcément pour ça à 90% si tu veux, mais c'est pour ça à 40% quoi. Pour lire des Blu-ray. Moi j'attends la de sortie de Ratchet & Clank pour voir. Ouais, toutes les. Enfin, plus ou moins toutes les exclus m'intéressent. Donc, il n'y a plus qu'à voir.
Y a plus qu'à acheter vraiment. Hein. Là, y a plus qu'à attendre à acheter. Et comme disait Apo, les vagues de décembre, janvier, ça devrait déjà y avoir des offres et tout. Donc après, je pense pas qu'il va y avoir entre novembre et décembre. Oh, il y a qu'un mois de différence. Enfin, en un mois, si tu veux, je suis même pas certain que. Qu'il y aura des énormes ruptures de stock. C'est ce que Micromania était en train de dire, tu vois. Qu'il y allait avoir. Genre 1400 ou même pas. Enfin, 400 PS5 par magasin, si tu veux. C'est un chiffre, je sors de mon cul, mais. Que les quantités étaient extrêmement limitées, mais j'y crois pas une seule seconde. Je pense que c'est juste pour surfer sur la hype. Et faire plonger les gens qui veulent pas attendre sur les commandes. Enfin, si tu veux, genre, je suis à 60% sûr qu'il y aura des consoles, tu vois. Ça peut arriver, hein, les ruptures. Hein. Et 40% que c'est juste du marketing, quoi. C'est juste vraiment pour que les gens se ruent en magasin et les précommandent, quoi. J'en suis certain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais au début, Max, c'est pour créer du stress. Ils créent juste du stress d'achat, et les gens créent eux-mêmes leur stress d'achat en relayant qu'il y en aura une pour 100 millions, si tu veux, alors que c'est totalement faux. Même ce que je disais tout à l'heure, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, Jack Ryan, enfin le boss de Sony, en tout cas le CEO, qui a dit qu'il allait avoir... énormément de PS5 mise à la vente par rapport à la mise à la vente de la PS4. Et quand tout le monde se souvient, la mise à la vente de la PS4, bah, il n'y a pas eu de grosse rupture, hein. C'était normal, hein. Il y a peut-être eu un mois de faible vente, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait eu des ruptures pour la PS4, si tu veux. Donc pour la PS5, c'est vraiment de la création de stress. C'est du pipi. On nous pisse dessus et on nous ment. Ah, j'adore le marketing. Quelle invention géniale. De toute façon, me connaissant, j'aurai PS5 5 ans plus tard. Ouais, non, bah, peut-être pas attendre non plus autant que ça, mais... En tout cas, attendre un peu, vraiment la prendre Day One, c'est... Enfin, la précommander, plutôt pas la prendre Day One. La précommander, c'est pas... je trouve pas ça intéressant pour l'instant. Mais bon, voilà, on a parlé, c'était bien. Est-ce que vous avez aimé mon TED Talk? Est-ce que vous n'avez pas acheté de PS5, du coup? Ah, putain. Non, en plus, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, je crois. Avec les jeux... Les jeux qui vont être masse plus cher sa mère. J'en ai 3 ans pour la PS4 et je suis tombé sur une promo de pif à 50€. Bah déjà, ouais, il y a ça aussi. Bon, après, 3 ans, c'est normal. Mais, merde. Enfin, la PS4 et la PS4 Pro, ils ont combien de temps de différence en sortie? Ils ont quoi, 6 mois? Non? Un truc comme ça? 3-5 mois, non? Je dirais. Enfin... Ouais... Pas d'indifférence quand même. Je crois qu'elle est vraiment sortie pas loin après. Après, je vais pas attendre un an non plus, mais si tu veux. Après, il y a ça aussi. Je sais vraiment pas s'ils feront des PS5 Pro. Ça m'étonnerait énormément. J'ai l'impression que la PS5 et la PS5 Digital, ce sera leur seule console pour 7 ans. Parce que, enfin, avec ce qu'il y a dedans. Et comment aller, j'ai l'impression que c'est juste des PS4 Pro Plus, quoi, genre... Tu peux pas faire mieux de PS5 que... Tu peux pas faire mieux qu'une PS5... Enfin, tu pourras pas faire de PS5 Pro sans avoir un PC, en fait. Du coup, si tu veux juste attendre un mois ou deux pour avoir juste une belle offre avec un ou deux jeux dedans, ce serait parfait, quoi. Enfin, surtout sur ça que j'attends, moi. Ou le Day One si je la trouve en magasin avec Demon's Souls, tu vois. C'est tout.
Mais la précommande, ça m'intéresse pas. C'est sympa que j'aime pas, c'est pas que j'ai perdu de hype, hein. C'est juste que bah, finalement j'ai longuement réfléchi, hein. Parce que moi, à 11h du matin ce matin, j'aurais dû faire 7 micro-agnas, si tu veux, pour aller la précommander, mais bah j'y réfléchis puis ça m'intéresse pas, quoi. Je sais pas si c'est ça d'être adulte ou d'avoir mûri, mais en tout cas ça m'est arrivé. Ça fait bizarre, hein, quand tu te dis putain, j'ai le temps et j'ai de l'argent, quoi. J'achète ça quand je veux. C'est magnifique. Si c'est avec ou sans lecteur, c'est la même puissance. Oui, non, mais oui, bien entendu, c'est on perd rien par un lecteur CD. Et c'est ce que je disais, ça vaut pas forcément le coup d'acheter un lecteur CD quand les jeux ils vont être. Enfin, si, justement, ça vaut le coup d'acheter un lecteur CD qui te coûtera 100 balles, hein, clairement, du coup, mais qui te fera économiser sur les jeux que tu pourras acheter moins cher ailleurs, que prendre une dématérialisée où tu te feras entubé de 80 balles à chaque achat parce que tu pourras pas te servir autre part que sur le putain de shop, parce que Sony sont en train de Sony est en train d'annihiler chaque revendeur annexe, tu vois, par rapport à eux, avec tout ce qui est code et tout ça. Ils veulent vraiment que les gens se servent que du PS du PS Plus, quoi, enfin que du PlayStation Store. Enfin qu'ils fassent leur carte, leur CB Sony, quoi. Pas CB Instant Gaming Sony, si tu veux. Et ils sont en train de. Enfin ça fait déjà quelques temps qu'ils bossent là-dessus. Donc c'est vraiment. Tu serais vraiment bon en professeur déco. Et après c'est un peu mon cursus aussi, donc c'est mieux que je me démerde, non? C'est mieux que j'y arrive bien, que je commence à pédaler dans ce moule. C'est que tu deviens responsable, ah c'est ça. Ah, je suis rentré chez moi, j'ai des factures. Ça y est, je suis responsable. J'ai repris les cours, je suis responsable, ça y est. Non mais c'est pour vous aussi, parce que... je sais que genre Ruru il voulait se la prendre en démat, tu vois, mais enfin je trouve vraiment pas ça. Je trouve que t'y perds au change plus qu'autre chose en te faisant entuber avec des jeux qui sont full prix en permanence avec des réductions de 20% une fois sur 15. Enfin, si tu veux, le lecteur CD il est vite remboursé, quoi. Mais bon, voilà. C'est pas pour ça que j'en ai pas une, entendu. Et que je vous en stream après quand j'en aurai une, bien entendu. Voilà. Mais maintenant, j'ai envie de faire du robot. Juste modifier le dashboard, du coup, parce que ici, on est quelqu'un de professionnel quand même. Et puis que j'ai tout prévu, parce que j'ai déjà la fenêtre ouverte. Et oui, monseigneur. Et oui, les robots, bordel de merde. Voilà. Hop. Magnifique. Et oui, on va jouer à Titanfall 2, ça va être génial. J'ai hâte. Aucune blague, j'ai vraiment hâte. Hop, tais-toi, Flamingosis. Hop, hop. Le gamin. Normalement, il y a le jeu. Oui. Et voilà. J'ai mis le son. Alors oui, juste au cas où. Alors oui, bon, j'ai pas le multijoueur. Pour des raisons. Parce que Origin est cassé, en fait. Il ne marche pas. Il est encore down. Merci, EA. C'est un mensonge. Oui. Non. Ça, voilà. Ça, ce truc-là, cette barre-là, c'est le seul volume que je peux changer. Il n'y a pas d'effet sonore pour le solo, il n'y a pas de dialogue pour le solo, il n'y a pas la musique pour le solo, il n'y a que le volume principal pour le solo. J'ai testé en mettant ça, du coup, à zéro, et j'avais toujours du son chez moi. Du coup, le son, je l'ai baissé directement sur OBS. Du coup, faudra me dire si vous entendez vraiment, vraiment pas quand ça parle ou quand ça tire. Et auquel cas, j'augmenterai. Mais voilà, quoi. C'est pour ça que c'est bas, si c'est bas. Je vais juste mettre ça ici pour pouvoir faire des gouffres si jamais. Voilà. De toute façon, moi, j'ai un... Je suis un boomer, je dis blur, je suis Dave en physique parce que je trouve ça joué dans... Ouais, mais il y a ça aussi, hein, Max Mildan. Hein. J'ai énormément, parce que là, je suis dans mon appartement, dans ma chambre, si tu veux, et j'ai pas de place.
J'ai quand même une petite bibliothèque de livres et de jeux, tu vois, mais c'est pas une vraie bibliothèque à proprement parler, tu vois, c'est pas beau, c'est pas rangé, tu vois. Et ça, c'est un gros kink que j'ai dans le futur. C'est dès que j'ai mon propre appartement, je m'achète pas un lit, je m'achète pas des meubles, je m'achète une bibliothèque, si tu veux, pour ranger tout ce bordel. Parce que j'en ai toujours eu envie et t'as préparé des musiques, j'espère. Ouais, bah t'inquiète pas, absolument pas, Hades, on fera au feeling. J'ai 2-3 idées, mais on fera au feeling. Et j'aimerais tellement avoir une bibliothèque pour ranger des livres. Je suis un énorme collectionneur en fait. Enfin, j'aimerais le devenir en tout cas. Parce que j'adore collectionner de la merde. Et c'est pour ça aussi que. Enfin, je suis un pigeon. S'il y a des trucs. Enfin, j'aurais de l'argent, mec, mais les livres, j'en achèterais à peine, si tu veux. Les films, c'est pareil, mais j'aurais une bibliothèque d'enculé. Mais bah, j'ai 7 films. J'ai Casino Royale, j'ai Interstellar, j'ai Batman, c'est pas mal, hein. On se concentre du ce qu'on a, hein. J'ai Pacific Rim aussi, hein, bon, voilà. Des livres en des maths, je peux pas, ouais, non, pareil. J'ai essayé, c'est sympa, mais bon, c'est mieux le papier, quand même. Et pourquoi ça dit que t'es en Belgique? Je sais pas, c'est le... Ah mais non, mais c'est le serveur. Tu vois? Putain, ils sont dans le futur du passé. Wouah. Comment ils ont trop de la chance à Saint-Louis et à Sydney. Putain, je suis jaloux. C'est vrai que c'est quel plus gros ping, là? Ah bah, c'est Sydney. Ah, quel monde de gros PD. Ah, Sydney, Singapour. Ah, ils aiment les gros pings, hein. Quel monde de merde. Putain, y a pas la France. On n'a pas des serveurs en France. Jure, on n'a pas un serveur Paris. Putain, c'est dégueulasse. Alors qu'ils ont Francfort. Bordel, bon. Et si on y allait, hein? Ah, moi, j'ai envie de jouer. C'est... Quoi? Oui. Oui. Attends. Oui, alors. Bonsoir. C'est bon, bloqué? Oui? Oui? Il y en a à foutre. Regardez. Ça va te faire drôle quand tu vas déménager toutes tes merdes. Ah oui, bah ça, j'appellerai les copains, j'appellerai ma maman. Et tu sais, est-ce que vous entendez bien le son, les gars? Merci. Le truc que tu sais pas, Jericho, c'est que j'ai plein d'affaires qui sont à 800 bornes de chez moi. Et ça va être combattant. Marrant à amener. J'ai même des vinyles. Oh. Il est rapide et habile. Non, ça veut pas être un boubard, les vinyles. Ça, maintenant, ça se. Mais dévastateur. Un peu faible. Il est perspicace. Okay. Il n'inspirait pas. Et impitoyable. Hop, je vais monter un ça. Un pilote voit le monde différemment. Voilà, c'est mieux comme ça, les gars. Parce que sur mon truc OBS, en fait, c'est quasiment à mon niveau de voix. Donc, je suis pas trop envie que le jeu il gueule. Un pilote combat différemment. Faut pas hésiter à vraiment être natillon, hein, les gars. Même lorsque tout joue en sa défaveur. Oh putain, oui. Oui. Oui, John Titanfall. Mets-moi tout là-dedans. Ce qui différencie réellement le pilote des soldats et machines sur le champ de bataille. Je bande. Le lien qui unit un pilote et son titan. Mes amis, je bande. Je suis amoureux de ce titan. J'ai envie de lui faire des vidéos. C'est beaucoup trop classe, par contre. Hein. Ah, mais j'étais pas à fond, aussi. Voilà. Mais regarde-moi ça. Est-ce que t'as pas envie d'avoir un méca dans la vraie vie? Lorsqu'il et de faire des combats titan, pour ton pays. Seule une force démesurée peut l'arrêter. Putain de merde, faut que je regarde Gurren Lagann après. Je vais kiffer. La frontière est la seule maison qu'il ait jamais connue. L'IMC en plus c'est un gros texan. Des années. Mais du coup l'IMC c'est les s'appropriant les ressources, polluant et détruisant les planètes. Avec capitalisme. Tuant hein, ceux qui osent résister. Malgré les récentes victoires sur Déméter et au-delà, il reste encore du chemin à parcourir. Oui, alors on va aussi. Alors on va, je veux dire maintenant, on va pleurer. Il est aujourd'hui hein fusillé pour la milice. N'oubliez pas que ce solo, qu'on va probablement kiffer, sera le dernier solo qu'on aura sur cette licence. Donc je tiens à vous dire maintenant, vous pouvez pleurer. C'est vous pouvez pleurer. C'est toléré. C'est même conseillé.
Moi j'ai pleuré avant, quand il y avait le point et je me suis dit que EA avait tué la licence, j'ai pleuré. Voilà. Voilà. Et c'est Berdy. J'espère qu'il a pas tout rebind mes touches. Un petit parcours d'entraînement, oui, ouais. On va survoler. Et c'est parti, Cooper. Ah, ok, merde. Capitaine. Laisse comme ça. Module de simulation. On y va. On va devoir le recalibrer. À deux doigts de jouer Bradley Cooper, c'est dommage. Hop. Hop. Ça te paraît bon, Cooper ? Oui. Parfait. Ok, on peut commencer. On va voir ce que tu te rappelles de la dernière les fois. Les devs vont bien trop dans les cartons, mais que dans les cartons, c'est ça qui fait chier, quoi. Mais on s'en approche. T'imagines qu'ils auraient pu monter une licence à la Call of, mais sur Titanfall, et dans des futurs encore plus futurs. Ah, ça aurait été un projet de fou furieux, mais qu'ils ont fait Apex Legends. En théorie, je devrais pas te former. Ça vous va le FOV comme ça? J'ai mis à 90, ça me paraît pas dégueu. Qui a le temps de suivre des cours, hein? Ah, on est en guerre. Allez. Eh, c'est accurate ce que tu dis, Mesticosa. Eh, c'est marrant parce que nous aussi on est en guerre et je vais en cours. Selon le principe de stabilité détendue. Connard. Quand ton aérokit se sera fait à tes mouvements, ça deviendra très vite une seconde. Petite blague politique, ouais. Ici on est aware. Ici, aïe. Généralement les streams passent bien, j'ai testé. Après on sait jamais, on aura de rêver à. De ma planète natale, Harmonie. Oh, c'est là c'est que beau. J'ai grandi. C'est beau, c'est espèce d'immense gay. Elle est où ma terre de guerre là? Ma terre remplie d'orques. C'est fait, je t'attends pas moi. Hein. Et oui, je n'ai pas le temps pour de telles choses futiles que t'attendre. J'ai habitué à 100, mais ça passe nickel. Bah, je sais pas, moi j'ai l'habitude de 90 justement. Enfin après c'est ça, j'ai l'habitude un peu tout, genre à 70 ça me dérange pas, à 110 ça me dérange pas non plus. Du coup j'ai coupé la poire en deux. Autrefois on ne pouvait que fuir, désormais on les traque. Ça me rappelle un certain point de l'histoire. Ça se passe jamais comme on veut. Oh. On est prêt à utiliser la première arme qu'on trouve. Oh, au dit con. C'est juste une partie des armes que j'ai croisées. Nice. Ouh, nice! Direction le stand de tir. Y'a quoi d'autre? On peut pas encore tirer, ça c'est le sniper. Ah, du coup, c'est les armes qui sont dans Apex. Ah, je suis pas dépaysé. Matrix, mon pote, ouais, c'est le futur. Hein. Ouais. Ouais, bon, là ça va être dur de décrocher, mais. J'aime. Ça coupe par coup celle-là? J'ai même plus. Non, automatique, ok. Stand de tir. Hop, voilà. Pour gagner en précision, utilise le viseur de ton arme. Et bon, chef. Bien, continue si tu veux. Tu rends-toi au parcours. Ah, ça c'est un truc qui m'intéresse. Et le parcours, le parcours. Dans la langue de Molière, je suis sûr, je sais pas. C'est bon. T'as déjà joué ? Non, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Je découvre. Objectif. Hein. J'aurais peut-être dû le mettre dans les. Va falloir faire mieux pour continuer. J'aurais peut-être dû le mettre dans les trucs là. Parce que non, je l'ai jamais fait, je découvre. Ok. La bataille de démarrage dans le 1 est énorme. Dans le 1. C'est pas que du multi. Un pilote peut trouver le juste équilibre au combat. La vitesse n'est rien si tu touches pas tes cibles. Dans ta tour, tu vas t'entraîner jusqu'à trouver cet équilibre. Attends, je me concentre, hein. Et oui, c'est génial. C'est génial, je surfe sur des murs, tel Brice de Nice, qui surfe sur la vie. Je suis tombé. La campagne, c'est du multiscénarisé. D'accord. Ouais, 52, c'est pas mal, hein, du dos, con. Joli. Tu vois les résultats sur le mur? T'as fait un chrono record. On a tous nos forces. Et oui. Je suis un rapide, moi. Ok, alors amuse-toi bien. Oui, tu vas kiffer. Ah, bah, j'espère. Merci. Comment t'améliorer. Là, je te sens bien chaud. Tu veux un vrai défi? J'ai des fantômes d'autres pilotes. Attends. 37 secondes. Ceux qui ont enregistré ces fantômes sont les meilleurs de l'ERS. Mais non, mais c'est impossible, si en fait. Tu vas les battre. Tu seras déjà devenu à moitié pilote.
Mais non, mais 37 secondes. Et le premier à 25, mais c'est quoi ce monstre? La mission de démarrage, à la fin, il y a tout qui pète, ou bah forcément. Attends, fais voir les deux armes un peu. Oh yes, oh allez, va vite. Oh quel bonheur. Bon, attends, vous voulez que je recommence une petite fois? Non, je recommence une petite fois quand même. Attends, on n'est pas des bêtes. Allez, une petite fois, puis après, on continue. Oui, j'ai testé le jeu tout à l'heure et j'y suis resté 20 minutes, oui. Oui, 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 c'est exact. Putain, il va vite le con. Ok. Mais il va trop vite. Mais mec, mais il va trop vite, wesh. Comment je suis ça, moi? Mais il est déjà là-bas. Mais attends, mais il est trop fort. Ah, je suis tombé. Ah, je suis nul. Mec, mais regarde. Mais... Oh là là. Oh, le monstre. Il vogue tel un chimpanzé dans des lianes. On va essayer de pas trop perdre du score. Voilà, hop. Ah. Ouais, bon. On va aller faire le jeu. Ok, ok, pas mal. Ouais, pff, ouais. Bon, tu t'arrêtes là? Ouais, non, c'est bon. Ceci étant, en visant juste à te prouver que t'es mauvais. Eh, ouais. Regarde, il est où le mauvais là? Eh, 52 secondes. Plus colis. Alors, si ça c'est pas. Si ça c'est pas franchement super top. Je sais pas ce qui est super top. Bon, tu t'arrêtes là? Oui. Oh, y'a des dialogues. J'ai envie de voir la suite. Envie de voir la suite. Ah, mais j'ai une voix et tout. Ça va te plaire. T'es beaucoup plus au sol commun. Ouais, ouais, ça, j'ai compris ça. Appelle-en un. Je crois que c'était réservé qu'au pilote. Je croyais que c'était réservé au pilote. C'est qu'une simulation, Cooper. Pas la réalité. Oh. Mais d'abord. Moi, je vais faire une carte Cobain, je reviens. Voici mon associé. 72-74, je vais te faire des bébés. De la technologie militaire. D'accord, c'est pour le raton. Je dis ça pour toi, c'est le pas mal, mais regarde, tu pouvais faire trois fois plus vite qu'il me ferait. Ah ouais, bah ouais. Vas-y, Cooper, appelle ton premier titan. Pi 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 pi. Regarde là-haut, te voilà. Le devoir nous appelle, mais je crois que ça va chauffer. Ok. Je te fais sortir. D'accord. Ok. Ouais, l'excuse. Moi, je te fais sortir, mais il y a plus d'énergie, donc il y a garde. Oui, chef. Nickel, t'as éclaté la cible. Yes. Parfait. Tout ce que je voulais. Enfin, ils essaient. En tout cas, plutôt bonne cette session. Tu finiras par changer. Ah, bah, la session qui est bonne. On finira par faire de toi. Ah, ma femme aussi. Mais pas aujourd'hui. Moi, j'ai jamais le temps de s'abuser de toute façon. Anderson. Oh, putain, on se voit en bas. Bah, d'accord. On va voir une nouvelle planète aujourd'hui. C'était vachement gratuit. Peut-être ça. Même qu'on va crever dessus. Mais c'est pas marrant, hein. Non, parce que on rigole, mais la mort, c'est pas drôle. On se voit en bas, fusilier. D'accord. Bonne chance. Pouce en l'air. Pouce bleu. Max, c'est toi qui avait tout pété en invoquant tout le temps sur le signal. Je pensais aussi. Hein. Je pensais aussi. Ah, mon gros cul de mon module. Oui, standard. Eh, tout à l'heure, je suis arrivé en difficile quand même. Hop, standard, bien entendu. Ouais, voilà. Destination, planète Typhon. Mission soutien d'infanterie pour opération classifiée de l'ERS. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Les tentagements sont un peu longs. Mais voilà. Donc, on va discuter. J'aime bien l'espace. C'est beau l'espace. L'espace que je ne saurais connaître. Avec des petites lunes qui explosent et des petites lunes. Encore plus petite que les petites lunes qui tournent. Stylé. Stylé, mais j'en mets. Ah, voilà, merci. C'est long de meubler, quand même. C'est très long de meubler. Oh, Respawn Entertainment vous présente. Allez. Titanfall, et numéro 2. Lance-flare. Lance-flare très très long. C'est Godzilla. J'ai vu dans Godzilla, il y a les mêmes plans. Non, je déconne. Et dire que j'ai le poster et le t-shirt de l'édition ultime du 1.
Ah, c'est trop, ils sont stylés, non? C'est mon pote, ça? Non, parce que si c'est mon pote, c'est chaud, on peut... Hein. Ah bah non, c'est... Oh, je suis pas serein, là! Oh putain, ça tremble! Oh bordel de merde! Pourquoi j'ai essayé? La bête marque, des médicales activées. Il y a même plein dans Halo 2. Ah, stylé! Dites-moi s'il y a des refs, parce que bon, il y en a que je rêve forcément pas, hein. 250 mg de sang sulfantamil administré. Non, je suis redonne un petit peu de morphine. Attention, du futur. Trop bien. Ou alors c'est de la coke qu'on m'a donné en. Hein. Je sais pas, mais. Ah, non, c'est bon, c'est ça. Les capsules d'OTST de l'OAB, ouais, j'ai pas fait OTST. Après, je dis ça, mais le seul que j'ai vu, c'est le 3. Donc... Oh, ça commence bien. Ça va, on m'entend bien, on entend bien le jeu. Oui. Oui, oui, j'ai tapé un copain, c'est la première fois. Oh, c'est le bordel! Ok. Ah, d'accord, on change direct de principal, ok. Un dégât pour commencer, bah, c'est comme ça qu'on commence le mieux. Hein. Mais c'est qui les amis, les ennemis là, je comprends pas? Et attends, non parce que... Oui non mais tu fais un jeu d'action mais tu fais des trucs super beaux à côté, laisse-moi voir aussi, regarde. Regarde, est-ce que c'est pas super joli ça? Franchement, cette navette écrasée au sol qui a conduit à la mort de plusieurs centaines de soldats, voilà. Milliers même je pense. Et magnifique. Robot méchant et Belgiti. Et voilà. Non chef! Je stream, chef, il faut que je parle, chef. Eh, je suis un professionnel d'Apex Legends, alors ce jeu ne devrait pas me poser de soucis. Je le dis tout de suite. Maintenant, c'est des robots. Aïe. C'est des robots. Ah oui, bah non en fait. C'est ce que tu devrais faire, mais. Le streamer vlog en pleine guerre avec ta petite GoPro et ton casque. Et en vrai. En vrai, tu dis ça, mais. Ça va, ça. Ah, c'est mort ça. Non, je peux pas encore aller sur les murs. Oh putain de sa mère, la pute! Oh d'accord! Oh yes! Oh yes! Oh ça commence! T'as bien morflé, Cooper. Accroche-toi! En vrai, tu peux avoir beaucoup de simulateurs avec beaucoup de jets de fume comme un bouillon. Comme un bouillon. Avec que des bonnes choses. Magnifique! Les prédateurs. Mais il parle et tout, mais c'est trop bien! Bouge pas, Cooper. Mettez, on y va! Robot judo! Robot CQC! Robot bouclier, robot 1v2, ah, robot dans le dos, aïe, ah, non, ami, copain, robot, non. Ah, il nous a caché au moins, tranquille. C'est Absolute Unit, le méchant. Ah, robot KO, là, robot plus là, robot dodo. Ok. Tu n'as pas craché par contre. On a 18 heures jusqu'à ce que l'arche soit scellée et prête à la livraison. On se bouge. Mais attends, on dirait des Américains. Richter, laisse les cadavres tranquilles, pauvre naze. On a du pain sur la planche. La VF, on dirait une VF d'Américains moyen et vénère. Ah si aussi, petit fun fact. Mais quand j'ai lancé le jeu, il s'est lancé en japonais. Voilà. J'ai dû ouvrir les points, le point INI et le mettre en français. Oh. Ah. Attends, il y a des dinos. Non mais il y a des dinos, mais barre-toi, dégage en fait.
Ah, regarde. Là, tu te barres. Enculé de faune. Putain, tout le monde est... Moi, j'étais juste là, en fait. Ah non, je suis en dessous. J'arrive, hein. Explorer les environs. On peut pas. Putain, c'est quand même vachement joli, hein. En plus d'être... en plus d'être en là où tous mes copains sont morts. Ouh, il a mangé lui. When she give you the sock. Ça va, capitaine? Capitaine, vous avez un trou dans la trachée, c'est normal. Beatty, transfert d'autorisation au nouveau pilote. Il y a... Non, avant de mourir, bravo, quoi. Tango. 7, 2, yes 7, 4. 2, 7. C'est moi, il est le robot. Prends mon titan. 2, 7. C'est moi, il va combattre les méchants. Finis la simulation. Quoi? Prends soin de lui. Quoi, finis la simulation de DB? Non, c'est la vraie vie, là. Tu es mort, là. Je suis triste. Journal mise à jour. Ok, m'en fous. Press F for mon capitaine. La Masticosa, tu seras... tu ne seras pas oublié. Tu ne seras pas pleuré non plus. I'm the captain now. Oh, c'est trop bien le futur. Je dis ça, mais tu m'offres un casque comme ça, mais je suis tellement heureux. Attends, mais ça va super loin. La figurine de Cooper en pilote a vraiment un style. Ah bah j'imagine, hein. Bon. Niveau d'énergie critique. Ah. Je trouve des bonbonnes. Non viable, non viable. Non viable. Ah! Mais du coup, il y a quoi là-bas? Attends, ça, c'est bizarre. Ça me paraît suspect parce que c'est pas là où il y a la suite du jeu, j'ai l'impression. Et pourtant, il y a des. Il n'y a pas juste un mur invisible. Ou juste une montagne. Qu'est-ce que les devs ont caché là-bas? Et surprise de surprise. Probablement du rien, bien entendu. Eh bah, du rien. À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert? Vraiment, à quoi ça sert? De faire un couloir en plus qui mène à rien. Je vous le demande. Plus tard. Ça sert à plus tard. Notez. J'adore comment il tient son flag quand on est accroupi. Comme un gangster, oui. Vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas, vous ne me sentez pas. Je mange la neige. Je respire la neige. Je suis la neige. Oh putain! Ouais bah toi t'es plus rien du tout! Enculé va! T'as un petit coup? Tiens, gratuit! Ouais ouais ouais! Non mais c'est pas la nature qui va me faire chier! Il s'en va sur. Voilà, et bien mort. Ah non, mais bah, ce sera plus tard, non. Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va reprendre l'automatique. Ok. Je suis pas actif, mon fantôme et tout. Transfert de l'arche pour changement d'armature avec nouveau revêtement. 10, je tiens à avoir 4 régiments pour protéger la base avancée avant l'arrivée du Draconis. Draconis? Attends, j'écoute parce qu'il n'y a pas de dialogue, enfin de sous-titre. Bien, on arrive. Alors. Oui, non, mais attends, je.
J'analyse, oui, j'analyse le terrain, mais je défonce la flore avant tout. Ou la faune, je sais plus, je sais jamais. À la faune, du coup, pas la flore, parce que la flore, c'est les plantes. Ça, c'est pas des plantes. Moi, je crois pas. Troisième bataillon de grenadiers, à tous les survivants miliciens, redéploiement vers la balise IMC gris 770-981. Quelqu'un me reçoit? Ici le sergent Esso du 2ème bataillon de fusiliers, vous recevons. Qu'est-ce que depuis? D'accord. Ok, des collectibles. Ok. C'est noté. Oula. Oula, j'aime pas ça. J'aime pas ce qui est arrivé là. J'aime pas beaucoup. Bon, ils sont gentils avec leurs fantômes, mais on est plus grand que ça quand même. On a pas besoin de fantômes, nous, brum brum. Brum brum, grosse couille, pas besoin de fantômes. Intrus de la milice, ici le général Marder de l'Interstellar Manufacturing Corporation. Vous enfreignez la loi souveraine. Je vous offre l'amnistie. Oui, tu vas m'offrir un Ricard et surtout tu vas m'offrir. C'est vrai? Ce que les mécanos racontent là-dessus? Tu me prends pour une tanche ou quoi? Et si c'est vrai, la milice va passer une très mauvaise journée. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais... Jetez vos armes et rendez-vous. Ne cherchez pas. Baisse ta mère, toi, c'est bon. Bon, bah, l'infiltration, c'est fini. Ça a duré littéralement 2 kills. Non, c'est bon. Ah, mais... Ah, il y a vraiment de l'infiltration... Oh, putain. Ouais, forcément, ils m'ont tous entendu. Et c'est parti! Oh là là. Ah, alors, oui. Alors, ah, y'a. Oh, ah, putain. Mais attends, on prend. Mais on prend giga cher dans le jeu. Non, une grenade, ça commence déjà. Ah, c'est le même. Ça, c'est les mêmes trucs, ils ont vraiment tout repris pour Apex, hein. Ils ont pas refait ni rien, ils ont tout repris. Oh là là, oh ça claque. Merde. Non. Oh, il est bon. Le cac te casse la gueule, ouais, ouais je vois ça. Hein. Non, oh ça c'est trop bien. J'adore les tyroliennes, mec. He's too fast. He's too fast. Mais quand tu te prends ça, mais comment tu dois avoir la haine? En plus d'être décédé, du coup, bien entendu. Non mais t'es où? Oh putain! Ah mais il est là en fait! C'est bon, il est mort! Ok. Non, la démerde. Ouais. C'est dommage, on peut pas. Ah mais si, du coup on peut là! Là on peut. Je t'ai bien caché. Je suis dans les fours. Ah putain. Ah là ça l'a mis. Bon ça va, y'a aucun recul. Magnifique. Magnifique. Non. Je veux pas tomber.
la batterie pour le temps, tranquille. Pouah. Destruction massive. Il m'a, ça m'a un peu surpris, je vais pas mentir. Non, genre il y a du infighting. Oh, c'est trop bien. Mec, il y a du... Mec, regarde. Ah. Ah, bah ça a pas duré longtemps. Oh là là, les super héros en néon en plus. Robot plus fort que la nature. Attends, je peux pirater des trucs. Mais c'est vénère de ouf. C'est le même c'est le même piratage que sur Horizon Zero Dawn, j'ai l'impression. Le cercle orange là qui se remplit en bleu un petit peu de la même manière. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup aimé ça. Mec, tu peux avoir un... Tu peux hack un pote. Enfin, tu peux hack pour avoir un pote. Et il est mort. Merci pour tes loyaux services. T'es bon, mes loyaux services. Non, le cheveu. Oui, il faut que je... Le son du jeu à 15%, il est un tout petit peu fort quand tu tires. Ouais, c'est... Regarde les options audio que j'ai, mec. J'ai que ça. J'ai que ça. Voilà, ça c'est pour le multijoueur, et ça c'est pour le solo. Ça me rend vénère. Vraiment, j'ai envie de crever. Je peux faire ça? Ah non, ouais, non, je peux pas les déplier, j'imagine. 15% t'as dit? Comme ça devrait être mieux, je pense. Ça a rien changé. Chez moi, ça a rien changé. Je vais le baisser sur Windows. Non, pas les paramètres de son, espèce de goalbut. Mais un genre de volume. Il est où? Ah bah il est là. Ça... T'as 33, je vais mettre ça à 26. Salut Arsox, ça va ou quoi? Je me suis mis à ce jeu sur le bon conseil Discord et je regarde rien. Ouais, bah... Je pourrais pas faire du multi pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, le peu de solo que je suis en train de faire, je kiffe. Hein. Après j'aime beaucoup Apex. J'aime beaucoup Apex Legends. Donc le gameplay, si tu veux... Ok. Ok. Alors ça, je crois que je l'ai évité de peu. Il y a comme qui est pas mal. Ah, ça je te crois. Ça va mieux les sons de balles là quand je tire. Attends, ouais, faut que j'aille là-bas. Oula, l'entreprise et hop, c'est bon ça. Votre entreprise n'est pas très sereine, mon cher ami. Oula. Aïe. Oh, c'est cool, ok, parfait. Oula, vas-y, on va prendre la batterie, on va se barrer. D'ici. Ah, je me suis lavé le fion en multi, mais c'est cool quand même. Ah bah, maintenant, on doit y avoir que littéralement des professionnels. Dont Scolar. Oh, c'est bon. Oula, ok. Bah non. Ouais, mais non. Ouais, mais enfin. Non, mais je sais pas ce que tu cherches à faire, mais. La nature contre n'importe quelle munition, si tu veux. Mais j'ai cru que. Les mecs dans MGS5. Qui sont sur le petit truc volant là. Non, dans MGS3. J'ai cru que c'était ça en fait. Attends, je vais m'infiltrer. Je vais m'infiltrer, les gars. Attends. Le général Marder prépare sûrement un coup pour avoir mis ses mercenaires aux commandes de l'opération. Ah, c'est des enfoirés, mais ça... Oh oui. Oh là là. Oh, je suis mercenaire et je suis un enfoiré. Alors, viens là, robot. Faible, puissance insuffisante. Oui, regarde, tu vas être fort maintenant. Je vais te donner du crack de pour robot. du speedball de robot. C'est scolaire, je viens absolument pas de te vanner en plus. Actif. Ça va toi? Mise au point. Vous allez bien, pilote? Ça va.
crois bien. Attends, tu m'as appelé pilote ? Oui. Feu le capitaine Lastimosa vous a donné le rôle sympa. De pilote supérieur. Ah, toujours. Eh, qui aime bien, je serai bien. Hein. Pour votre promotion. Vous pouvez m'appeler BT. Non, je vais plus t'appeler. Okay. Mes systèmes redémarrent, mais une troisième batterie accélérera le processus. Je reste ici. Ça te fait chier ou pas ? Putain, faut encore aller chercher des batteries. Oh, fait chier, elle est loin. Moi, je reviens. D'être mobile, tu bouges pas, je vous hein. aiderai autant que possible par radio. Yes. Fais-moi 5 haïkus. Je veux 5 haïkus dans les prochaines 3 minutes, s'il te plaît. Robot. Ok. Ah, oh, ça fait du bien qu'il n'y ait pas de dégâts de chute. À tout le personnel non. De la milice, rendez-vous et l'IMC vous escortera sans SO pour pénétrer dans Jack City. Jetez vos armes et présentez-vous. Je suis absolument je vous déconseille de vous rendre à l'IMC. L'analyse vocale indique clairement qu'il mente. Oui, bah. Enfin, faut pas être sorti de Saint-Cyr, monsieur le robot. Fais-nous un café. Et prépare le lance le barbecue là, vite fait. Et les saucisses. Les saucisses qui attendent. Ah, alors. Alors, je crois qu'il y en a qui meurent là-bas. Putain, c'est vraiment trop bien, mec. Non, ah, un peu court, dommage. Oh le monstre! Oh mec! Oh le prédateur! Oula! Voilà. Mec, t'es un putain de prédateur, j'adore! L'embuscade de la 9ème flotte milicienne nous a fait dévier de notre destination initiale. Nous sommes en territoire ennemi. Sous non, jure! Temps, nous ne pouvons pas rester ici. Oui, bah jure aussi. Oh, il est joli. Fais gaffe si vous le dérépliquez ton perso en appuyant pas. Ah merde, oui! Toujours qu'on va s'en sortir, BT. Pardon, mais je suis trop occupé à faire le cool kid en fait. Nous allons devoir improviser. Genre, je suis plus occupé à faire des trucs sur les murs, moi. T'as servi combien de temps avec Lastimosa ? Le capitaine Lastimosa s'est lié à moi il y a 973 jours. Ah, c'est pas mal. Je suis jamais resté en couple aussi longtemps. Entendu. Vu et ignoré avec succès. Merci. Leva auto, ça doit être mon arme numéro 1. Mec, mais Leva, il fait... Attends, je vais lui mettre ma lumière. Leva, il fait tellement mal, mec. Que ce soit ici ou que ce soit sur Apex, il fait tellement de dégâts. Je crois que c'est une de mes armes où j'avais le plus de frag sur Apex. Vu qu'il t'encule ton bouclier. Hop. Verotibay. Il est un peu court ça. Et les snipers, bon. Je suis pas bon moi en ligne donc. I am invisible. And you are dead. Okay. Y'a quoi ici? Ok, des grenades. Ok. Non. Oh, il est mort content. Oh, il est mort heureux. Magnifique. Attends, alors oui, alors non, mais je vois l'idée. Je vois l'idée, mais je vais me faire enculer, en fait. Bon. Bah, je vois l'idée, mais du coup, faut que je la réalise. Hop. Putain, au pied, mais attends, mais c'est chaud. Pilote, votre combinaison dispose d'un camouflage d'urgence pour parer aux situations dangereuses. Oh, c'est cool. C'est 5 secondes, mais... Maintiens ta touche cac dans leur dos pour faire des finishes. Ah, fallait maintenir. Ah, je suis débile. J'ai juste eu F. Oui, bon, bah ouais, bon. Oh, les coups de pied!
Putain, mais c'est pas des grenades aussi, ça rebondit. Oh, tu peux aller partout en plus. Merde. Faut aller par là non plus. Mais c'est écrit, mais juste lu F. Oh. Oh, ça c'était joli. Oh, ça c'était skilled. Comme on dit. Merde, ouais, voilà, c'était pas du tout skilled. Tiens, t'as ça en visuel aussi, connard. Merde. Bah oui. Oh l'enculé, il est avec moi. Non mais déjà il a fallu me rappeler les dialogues si tu veux. Eh. Oh. Oh. Mi likeys gros pom pom boum boum. Y'a pas un mec que je peux faire une petite surprise là? Surprise! Ouf! Ouf! Oh bah il a. Mais il a dit. Ah! Je crois que son pote a disparu. Ouais, j'ai vaporisé son copain. J'ai littéralement vaporisé son copain. Il reste que ça. Non mais oui non bah oh, oh ça marche. Psych. J'étais en haut. Ok. Elle où ma batterie là pour mon robot? Oh, j'aime pas. PT, c'est la voix de qui? C'est le commandant du détachement des maraudeurs. Division de l'escouade de reconnaissance spéciale. Ah, ça bon. ERS. Elle s'appelle Sarah Briggs. PT, il reste des survivants sur ce vaisseau? Non, les scans ne détectent aucun signe de vie à bord du MCS James McAllan. Mais 90% des navettes ont été éjectées. L'espoir est permis. Ah, bonheur alors! Nous avons le droit de rêver. Le gameplay là, vraiment le gameplay est vraiment vraiment agréable hein. Voilà. Il est vraiment extrêmement léger, il est rapide, il est vraiment trop bien. Hop. En plus tu sprints plus ou moins en permanence. Donne-moi ça. Merci. Le gunplay et les mouvements sont plus agréables que dans Doom Eternal. Complètement. Dans Doom, tu vas vite aussi, mais c'est beaucoup moins rapide. D'ailleurs, dans Ultra Kill, les mouvements étaient mieux que dans Doom Eternal. Après Doom, bon, voilà, il est pas prêt pour ses mouvements. Hein, c'était oh là. Ouais, j'ai peur. Non. Ah si. À tous les survivants de la milice, il est dans votre intérêt de vous rendre. Pilote, notre position a été compromise. Ah non, parce que moi je suis en train de baigner up, mais comme ça. Ouais non, mais c'est pas bon. Ah aucune. Putain j'ai mon. Ah en plus j'ai qu'un. J'arrose. Je peux pas. Putain, je vais laisser sécuriser la zone. Chier. Attends, je vais le hacker lui. Hop. Il est vraiment ultra plaisant. Mais je comprends le fait que tu dis ça, Russian. Le gunplay est vraiment cool. Oh, bah. Ah, mais c'est le mien ça. Est-ce que je peux. Je peux. Non, c'est mon allié, je peux même pas le descendre. Enfin. Bien entendu, c'est mon allié, je peux même pas descendre. Pour qui me prends-tu? Installe-moi. Installe le gros module. C'est plus lent, Doom, car tu passes du temps à tuer les monstres ici. Même les titans. Ici, même les titans font. Font quoi les titans?
Pilote, nous devons d'abord établir un lien neuronal pour qu'on... J'établis ce que tu veux avec toi, poteau. Embarquez quand vous serez prêt. Mariage, Pax, ce que tu veux. Bah, ils fondent. Ah. Non, mais... Ah. 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 Ah, dégueu. Pourquoi ils feront ça? Ils feraient ça. Tu peux aussi en fumer dans le pirage en plus. Lien au pilote. Vas-y, connecte-toi. Oui. Tu penses à ce que je pense? Je suis dans ton cerveau. Lien neuronal établi. Coup. Fusilier Jack Cooper, vous êtes désormais le pilote suppléant du BT-7274. Je t'ai dit que je t'appelais Roger. Protocole 2. Redomme-toi, Roger, s'il te plaît. Conformément à l'opération spéciale 217, mes ordres sont de rejoindre le Major Anderson de l'URS. Je détecte des forces ennemies en approche. Protocole 3. Protection du pilote. Réinitialisation système critique. Oula, ouais, il a du mal, poteau. Bouclier Vortex en ligne. Le bouclier Vortex intercepte les tirs et missiles ennemis. Relâchez la touche pour envoyer à l'ennemi les objets capturés. Mais attends, c'est... Mais c'est super... Bété comme Bernard Tapie. Il veut nous faire gagner... Il veut faire gagner la Ligue des Champions à Marseille encore. Mais attends, mais par contre, c'est ok le quatrième mur dans mon cul apparemment. Hop, non mais lui. Pilote, le module acolyte est opérationnel. Je suis trop bien. Ce lance-roquette d'épaule peut verrouiller plusieurs cibles ennemies. Plus vous maintenez la touche, plus les verrouillages sont nombreux. I have came. Mais ça déchire. Aïe. Ouïe. Lien neuronal actif. Hop. Contrôle des armes. Tu essayes de laisser le supprimer ou se répéter aussi? Non, là, ça devrait passer là. Mais attends, d'abord on teste. Ensuite on verra bien quand. Oh là là. Bah oui. Largage de titan ennemi. Ah. Préparez-vous. Nous allons devoir nous battre. Oh, je t'attends, moi j'ai pas peur. Super, on n'a plus qu'à se fumer quelques ennemis. Un peu de positivisme ne peut pas faire de mal. Jamais. Alors, tu te souviens à 5 secondes quand j'ai parlé du positivisme? Viens, on oublie. On prend ça, l'enculé. Eh oui, aïe, je suis plus fort que toi. Pas mal, pilote. Pas mal. Mais non, mais jure, il me parle en plus. Bravo, pilote. Mais c'est trop bien. L'efficacité au combat a augmenté. Pilote, d'autres équipes de récupération de l'IMC. Je sens l'XP couler à travers moi. C'est de respecter la mission. Ah, c'est dégueulasse. À savoir, rejoindre le Major Anderson. D'ici là, nous sommes seuls, vous et moi. Vérifiez votre ATH. Oui, Il pardon. Ne faut pas traîner. Ah, c'est pas parlé du tout. L'énorme pain, il met des briques, mon bot. Mon bangwen. Il met de ses pains. Des petites briquettes directement dans la tempe, en fait. TG, Discord, hop. Voilà. Non, le jeu, voilà. Journal de coupé. Ce titan, Roger, prétend que je suis son pilote suppléant. Que ça me plaise ou non, il vaudrait mieux que je réussisse mon coup ou cela me rassurait. Ma seule chance de survie consiste à poursuivre la mission d'origine du capitaine Lastimosa. En clair, après ça se passe. De rouiller de sang. L'IMC n'arrêtera pas de nous chercher. Notre seule chance de survie, c'est de retrouver le Major Anderson à 60 km de notre position actuelle. Ah, c'est beau. Si nous voulons beau. Survivre, nous allons devoir improviser et nous adapter. J'adore. Ce que je sais faire de mieux. C'est beaucoup quand même, 60 ans. 3-2, subissons de lourdes pertes. À toutes les forces militaires, besoin de renfort. On a subi de lourdes pertes. Ah oui. Vizetta, aussitôt allié de classe Vanguard. Vizetta, non? Allez pour voir, capitaine. On a besoin d'aide. On sort contre les soldats, mais là, c'est le niveau supérieur. Bon. Attends. On a testé un truc, moi. Ouais, non, alors c'est pas ça que je voulais tester. Oh, je fais un déballer un petit. Ah non, c'est du. C'est du sun, ok. Je crois que c'est juste un petit truc de fumée. Non, je veux du cac. La la la. Oh la 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 la. Oui. Des impacts, mais ça ira.
Oh là là. D'accord, ok, ça c'est pour du shield. Oui, non, non, non. Rien faire. J'adore le fait que simplement marcher sur des petits ennemis suffit, c'est des formidables. Mec, t'as vu la taille du mecha aussi? Bon, il y a du dash et pas du jump. Je préfère le jump quand même. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi le noyau? What is this? Mais c'est trop bien! Mec, j'ai un ulti! Ah, ça fait beaucoup de dégâts. Attends. Titan classe vanguard repéré. Engagez le combat. T'as vu la taille des douilles? Regarde un petit peu l'animation là. L'animation de sortie de douille est. Enfin non, c'est pas sortie de douille mais. Kiloké là. Il fait blou blou blou. Super joli hein. La taille des douilles enculé. Ouais, bah c'est mon outil, bah, j'ai compris, mais putain de merde. Ah, mais t'es là, toi. Ah bah oui, bah je peux pas passer, forcément. Ouais, mais merde. Ça donne l'info, c'est que vous savez sur F1. Non, bah, bon, non, c'est bon. Absolument pas. C'est un mensonge. Fuyez. Ah le bâtard. Ouais, du coup c'est des fumées et je peux les électrocuter quoi. Titan ennemi abattu. Tout seul? Oui bah oui mais non mais les mecs enfin. Non, je peux pas détruire. Je peux pas sortir de mon titan. Dégâts excessifs, alerte, alerte. Ah, j'ai plus cher un peu. Je crois que c'est du 20 mm cette arme. Bah, putain. Mais j'imagine que je peux pas encore sortir, c'est pour ça. Hop, nouvel équipement, bon, c'est quoi? Oh là 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 là. Merde, F1. Cette... Ah pardon. Arme avancée pour Titan pourrait nous donner un avantage tactique. Balle explosive semi-automatique. Dis plutôt que t'es amoureux. Le concept humain d'amour implique admiration, attirance, dévotion et respect. Conclusion, je suis à 50% amoureux. Putain, il a de l'humour en plus l'enculé. Pilote. Avec l'équipement du TON, nous pouvons acquérir des cibles et tirer des missiles guidés. C'est très utile en affrontement direct. Oh là 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 là. Ah et du coup par rapport à l'arme, ça change, c'est vraiment la taille. La taille. Je sais que normalement on dit la taille ça compte pas, mais là, là ça compte quand même vachement beaucoup. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Voyou de salle barré. Oh grand Dieu tout puissant. Mais je veux la même chose. C'est grand. Shield, ok. Et une petite salve de missile. Ok, magnifique. Titan ennemi abattu. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais ça marche, hein.
Pilote, ça marche. La circulation dans le complexe est bloquée par le régulateur de débit. Il doit y avoir des commandes près d'ici. Mais explose tout le bordel. D'accord, ok, je suis obligé de le garer. Un port. Par exemple, quand c'est une simple mission, fais la taille de ta main, ouais, la taille qu'on doit. Il m'a fait. Mais oui, mais tu me débarques dans le toxique. On fait pas débarquer les gens dans le toxique. Pilote, la circulation dans le complexe est bloquée par le régulateur de débit. Il doit y avoir des commandes près d'ici. Mais le con. Faut arrêter, hein. C'est ce outil-là où tu regardes au passage. Ah, mais il est génial. J'active la pulsion sonar pour vous assister. Oh, trop bien. Il y a un peu de monde. Attends, qu'est-ce que j'ai. Ouais. Mais non. Oh, c'est les Nunchaku. Mec, regarde. Oui. Prends ça. Elle aussi a des chiens. Regarde cette cadence de. Putain, mais les impacts ils sont bien ressentis, hein. C'est bien fait, hein. C'est bien fait comme jeu vidéo. Quel gigantesque trou du cul. Non, je veux que des Nunchaku, moi, il est fou lui. Et oui. Brûle sa picote. Oh. Attaque d'infanterie ennemie. Grand Dieu. D'accord. Shuriken. My bad, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Mon erreur. Mec, mais c'est trop bien. Aïe, grenade. C'est un ennemi, ça. Ça, c'est un ennemi. Ouais, j'ai voulu disparaître, mais je me suis pris un mur. Ouais, bon, hein. Oula. La circulation dans le complexe est bloquée par le régulateur de débit. Il doit y avoir des commandes près d'ici. Attends, y'a rien d'autre avant ? Non, rien d'autre avant. Eh ben, c'est hyper ! Commande de maintenance engagée. Ouverture du régulateur de débit. Attention, vapeur toxique dans la salle principale. Procédure de sécurisation du SAS activée. Pilote, le SAS de sécurité vous a enfermé dans la salle de contrôle. Veuillez trouver une autre sortie. Nous devons nous séparer. Attends-moi, oui, c'est pas grave. Ok, je vais trouver une sortie. Une sortie tout près d'ici devrait nous mener plus loin dans le complexe. Pilote, je suis vos déplacements. Continuez et trouvez une sortie. D'accord. Comment ça, tu me suis? C'est un peu flippant, embêté. Je ne cherchais pas à susciter la peur. Je réserve ça à nos ennemis. Oh, le bro! Oula. Là, entendrai-je des radiations? Écoutez-moi. Ici Kaik. Les amis de l'IMC et de la milice. Notre problème, c'est le manque de communication. Mais c'est pas grave. T'as énormément de chance, petit robot. C'était qui? Accès au fichier. Vraiment, hein, t'as énormément de chance. Un mercenaire affilié au prédateur. Revendeur et consommateur notoire de narcotiques. Un drogé? Alors ouais. Il est trop cool pété, mais mec, mais... Il est... J'ai envie de l'avoir dans ma vie. Tu
tu vois. À tous les miliciens qui m'entendent, oubliez pas que vous êtes chez Kane. Vous pouvez séjourner ici. Mec, mais t'as où? Ouais, attends. Oula, ah la 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 la. J'ai loupé deux fois, la la la. Et voilà. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire. Je vais mourir. Et plouf dans le gaz, dans le toxique. Mais non, mais faut viser droit par contre. Voilà. En même temps, les robots avec un sens de l'humour, c'est presque un king depuis toujours. Ah, tu m'étonnes. Ah. Ah. Mec, il arrive, il arrive en sautant sur les putains de murs. Ah, Pekium. Ah, ça a mangé un peu. Là, il est mort. Ah, lui, là. C'était quoi ça? Eh ouais. Ouh. Ouh. Mais ce serait-il pas que j'aime bien cette arme? Ok. Oh, lui, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Hein. Un quart? Je m'en fous. Donne-moi ça. Donne-moi ça. En même temps, Betty a la voix du gars dans l'émission River Monster ou Scar dans Fullmetal Alchemist. Mais c'est... Eh ben... C'est pour ça que ça me disait un truc, cette arme en multi elle rend ouf, mec, ça, elle doit être horrible. Aïe 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 aïe. Ah, ils explosent en petits bouts. Bah oui, faut me regarder. Ah. Oh, un bout de cerveau. Tu peux changer ton pistolet par une arme. Une arme d'épaule aussi, tu veux. Ouais, bah, je l'ai fait. Enfin, je l'avais fait avant. Je l'ai appris parce que j'avais un lance-roquette justement à la place du pistolet. Ok. Et j'ai affronté les guettes, c'est pas 2-3 robots qui vont me faire peur. Hein. Oh. Mais c'est terrifiant. Mais oh la force. Merde. Putain. On dirait les zombies. Putain, eh ben il en faut, enculé. Voilà. C'est terrifiant, les zombies qui rampent. Les zombies, les... Les putains de robots qui rampent là. Ouais, je peux pas passer. Putain, robot qui rampe sans jambes là, c'est pas super rassurant.
J'ai l'impression de marcher depuis des jours. Vous avez besoin de repos? Oui. Vos signes vitaux sont stables. Nous devons remplir la mission. Putain, ça n'a pas marché. J'ai pas pu lui mentir. J'enjeu un peu parce que je peux pas trop tirer avec quand je suis en train de faire des le zouave. Ouais, alors ouais, l'épuration vite fait hein. Plongeage. Il y en a qui ont un passé ici sur l'épuration. Alors on se calme. Et oui. Et oui, tes troupes de merde ne font qu'un seul petit pli à ma feuille. Pff, oh là là, les patates qu'il met en plus lui. Tiens, hop, prends ça. Mais où est-il? Oh, oh, ok. Et il est là. C'était un peu bugué et c'était un peu beaucoup aussi, hein. Putain, le violent. Mec, mais regarde, il est mort depuis 5 minutes, l'autre, il continue à lui mettre des balles dans la tête. Bah oui. Tu m'as clairement vu, mais mauvaise tourelle, mauvaise. Oh. Oh oui, oh le crabeur. Oh je dis oui. Oh mon seigneur, je vous dis merci. Pourquoi je prends un truc comme ça quand j'ai un putain de crabeur de disponible? Oh là là, oui, quel bonheur. C'est gros, ça tire de loin et ça fait super mal. Tout ce que j'aime. Il y a plus violent, oh bah, oh merde. Pilote, soyez prudent. Attends, d'abord je ride sur les murs tel le héros que je suis. Voilà. Ouais, c'est pas moi qui veille la réparation. C'est tellement bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment tellement bien le. De pouvoir ride sur les murs. Nos chemins vont se croiser droit devant. M'a manqué, BT. Je ne vous ai pas tiré dessus. Ce serait une violation du protocole 3. Laisse tomber. Aucun humour, hein, ces putains de robots. Ah, je te vois. À travers d'ailleurs. Oh bébou, regarde-le là. Bonjour, ça va? Il t'attendait hein ça... Tu peux venir s'il te plaît. On a une mission à faire, tu peux venir. Content de te voir mon pote. Content de vous voir aussi pilote. Pilote, les commandes du flux toxique sont dans la pièce suivante. Consultez. Même John Wick qui fait pas ça. Oh, il fait pas, il fait pire aussi quand même. Ah mais non, c'est des gentils robots. Moi. T'es sûr que ça va? Oh mais c'est un des persos. Enfin un des persos non mais un des robots comme le perso sur Pex. Enfin ça depuis le début en fait mais j'ai juste pas. Merde ouais. Ah j'ai... Ça fait mal. Ok,
qu'il a pris un accent là. Ok les potes, j'en ai marre. J'arrive. Attends. Ouf. Ouf. Bah voilà, ouais, bah oui, non, bah je vous ai tiré au milieu deux fois donc. Et non, j'étais ici. En sachant que le niveau lore d'Apex se passe après Titanfall 2. Ouais, ça m'étonnera pas. Et du coup, Apex a un rapport avec Titanfall où ils ont juste recyclé tous les assets possibles. D'accord, c'est pour ça que tu utilises ça. Ouais, mais où ça? Tiens, moi, tu veux. Ah, mais faut que j'active les trucs, je suis con. Il nous a contourné, avec nous. Ouais, alors c'est. Je sais que c'est peut-être un petit peu too much, mais. Connexion au système de pompage. Arrêt d'urgence initialisé. Mais je. Ouais, ouais, faut savoir utiliser des snipers en. Corps à corps. Séquence d'arrêt des pompes. 20%. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, tu vois pas que j'ai d'autres problèmes que des cascades toxiques là? BT. Séquence d'arrêt des ponts. 20%. Ah, on allez-vous. Ah, dégueu. Cette cascade toxique regorge de métaux lourds qui interfèrent avec mon système de visée. C'est pas compliqué, tire bordel. Le tir en aveugle près du pilote est une violation du protocole 3. Mais non. Merde, attends, je me gratte les yeux. Oh là là, mais ça, mais... Faut arrêter, hein. Lambda 5, infanterie, descend. Séquence d'arrêt des ponts, 40%. Non, enfin qu'il n'y a pas de dégâts de chute parce que sinon mon gars, mes jambes ce serait des genres de croustipoulet. Ouais bah forcément ça va être du croustipoulet là. Et mais je peux remonter, et oui c'est magnifique. Quel beau geste de la part du joueur français. Il m'avait totalement vu. Mais attends, mais sautez tout! Non! Oh là 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 là! Attends, j'essaie de pas. Ah, mourir! Oh là! Oh putain! Ouais, mais non, mais! Ah mais si je fais que aller en dessous poteau je vais pouvoir Ouf alors lui il a mangé lui. Attends, j'utilisais mon crabeur un petit peu parce que c'était arrêté 5 minutes de c'est dans le vide aussi mais c'est le principe. Alors, je sais pas comment je loupais, mais je loupais. Voilà. Dis au revoir à tes hanches. Séquence d'arrêt des ponts, 50%. Ah, mais c'est juste moi qui dois faire attention. Et qui doit juste attendre. Ouais. Séquence d'arrêt c'est peut-être... pas le meilleur truc que j'ai pu faire, lancer une grenade à mes pieds. Non, à mes pieds.
avec ce genre de merde sur mon dos. Séquence d'arrêt des pompes, 90%. Non mais il va bientôt... c'est bientôt fini, il va bientôt arriver, BTS. 80... Non, on est bon, on a juste à survivre un petit peu là. Contact visuel rétabli avec le pilote. Début de l'appui feu. Danger immédiat. Pour eux ou pour nous? Non mais je demande comme je demande, on sait jamais hein. Il se chie dessus. Cette bataille était ardue, mais vous vous êtes bien défendu. Note ajoutée aux archives. Oh, trop bien. J'ai trouvé une sortie de ce côté. Suivez-moi. Mec, je gagne du prestige en plus. Hop. Mode pilote activé. Moi, je veux juste m'accrocher à toi, mais... Poursuite de la mission. Conformément à l'opération spéciale 217, mes ordres sont de rejoindre le Major Anderson de l'URS. Et nous le ferons. Nous le ferons. Sauf si je glisse là-bas. Est-ce qu'il a... Il a utilisé l'arme que je lui avais mise, hein. Il a pas... Enfin, c'est pas bloqué, je veux dire. Quand il est lui, quand lui est tout seul, ça reste avec la dernière arme que tu lui as mis. J'ai pas fait gaffe. Hey. Ah. Je t'ai pas invité à ma fête. Alors tu vas crever. Oh, ok, Kane. Tiens. Ah. Super, voilà, oui, un c'est pour ça. Avec un titan de l'ERS Class Vanguard. Je vais te fumer, poteau. Là, ça devient sérieux. Là. Mais attends, il y a des combats de boss. Commence, fumier. Mais c'est trop bien. Évitez les résidus thermiques, ils provoquent de graves dégâts. Ah bon, non, Titanfall, il va y avoir des combats de titans, ouais. Oui, je... non, oui, je... oui, non, mais... Je sais pas pourquoi je demande. Non, mais... Oui, tu dégages. Attends, c'est le bordel, là. Ah, il me faut un petit peu de jus. Merde, je peux dire faire mon cul ou pas? Oh, c'est craqué. Ben voilà. On veut défier Kane. Sauf que Kane réplique. Ouais, oh, enfin, il réplique. Il a répliqué à 3 contre 1. Tu vas rien faire. Il est où ton frère d'ailleurs? Je vais mettre une petite aussi là. Petite golden. Non, regarde. Aïe, aïe, aïe. Alors, fais-moi le fier là, canet. Ah, ça me ferait bien chier, hein. Ça me ferait bien chier. Oui, c'est ça. Mais encore. D'accord. Les gars sur ma coque. Oh oui, c'est mort. Ah, attends, il y a ton script. Les gars excessifs, alerte. Non, oh, c'est bon, on rigole. Ah voilà. Pas compliqué. Enfin, si il est marqué au rouge, tu peux envoyer une salve d'utile. Ouais, d'accord. Pilote. La radio du casque de Kane est intacte. Récupérez-la. Leurs casques sont vraiment trop stylés par contre. Genre vraiment j'adore la gueule de leurs casques.
Le sonar te permet de verrouiller tes roquettes. D'accord. Des cuillères. Hop, allez, ça dégage. Putain, là. Bon. Je suis depuis 16 heures, il faut m'excuser. Il est gigantesque. Mais, t'es cul, hein. Dans l'histoire de la guerre, la capacité à décoder les communications ennemies a souvent fait pencher la balance. Et oui. Pour survivre, nous devons avancer. Regardons Enigma, par exemple, avec Benedict Cumberbatch. Oh, le wallpaper. Trop mignon. Quand Sayu est avec des hacheurs, tu peux le finish en faisant une attaque de mêlée. À quoi ? De toute façon, dès qu'ils vont être en fin de vie, je vais leur péter la gueule, donc... Mais c'est noté. Le Major Anderson est passé par là. Cela pourrait nous mener au point de rendez-vous. Je suggère d'y aller. Non mais je fais une petite pause là parce que je vais salir mon froc en fait si je continue là à jouer. Donc inspirez. Expirez. Ok c'est bon. Commande transférée au pilote. J'adore. Regardez où nous marchons. Ah. Ah oui, oui. C'est quoi cet endroit ? Accès au fichier inconnu. Qu'est-ce qu'on vient faire là, BT ? Nous devons traverser ce complexe et poursuivre jusqu'au point de rendez-vous avec le Major Anderson. C'est notre unique chance. Forcément, c'est un complexe. Un petit peu abandonné, un petit peu secret. Qu'est-ce qu'il y a comme écriture ? Du chinois. C'est quoi ça ? Ici Blisk, tu me reçois ? Ici H, je t'écoute. Qu'elle répond pas. Je crois que notre pilote milicien va jouer les héros. Il est dans ton secteur, pute-le. Est-ce qu'il y a la prochaine là ? Compris. Terminé. H. Ok. C'est qui, Blisk ? C'est un criminel de guerre recherché par la milice, fréquemment engagé par l'INC. Blisk est responsable de la mort de mon ancien pilote, le capitaine Lastimosa. C'est triste. Ouf, oh putain de merde ! Ouais, non, mais... On est jamais trop prudent. C'est super joli, hein. Je vais me faire pousser par les sapins ou pas, tu penses? Tu vois, attends. Sapin, sapin. Sapin! Petit, petit, petit! C'est comme ça qu'on appelle les sapins. Ah, je peux les arquer et tout, c'est stylé! U! Tu vois maintenant, moi aussi, ça fait quoi? D'accord. J'ai. Ok. Oh, et ça, ça crame les munitions. Ah, c'est pas mon préféré, ça. C'est pas mon préféré. Ok, on peut pas voir, c'est tant mieux. J'aime beaucoup celui-là, moi. Après, je pense qu'ils vont tous être bien et tous avec des trucs un peu différents. C'était gratuit. Je fais le tour, hein. Bougez pas. Bonjour. Gridirion. C'est Lingayon dans les... Ah bon. Ah bah non, c'est juste ça, on regarde pas. Petite voiture du futur moche. Oui, bah ouais, je suppose que j'utilise des missions pour ça, mais... Team de Scorch est classe. Ah, attends. Merde.
Ça va être galère, mais j'essaie de le montrer. Oui, non, mais j'ai vu le truc arriver, et puis je me suis dit, bah, faut pas que je le touche, en fait. Et je l'ai pris en pleine poire. Attends, il augmente... Comment il augmente? Je crois que c'était quand je tuais des gens. Comment il augmente l'ulti? Je comprends pas. Je crois que c'est en attaquant. Ah, c'est qu'en attaquant des titans. Bah, vas-y, attends, je joue avec, avec Tony du jeu. Et dès qu'il y aura un titan. Ah, trop court! Dès qu'il y aura un titan, tirerai score. Temps ennemi détecté, j'engage. Tiens, voilà. Quand on parle du loup, il en montre sa. Crinière. Bah, mais. Oh, ah, mais bon, bonjour, monseigneur! Ouais, c'est que en touchant les cibles. Non. Alors, je sais pas si je le finirai ce soir. Parce que je sais que je peux le finir en 4h et tout, blablabla. Mais déjà, je prends mon temps, j'essaye de kiffer un petit peu aussi. Et vu que demain, je double veto. Si je l'ai pas fini avant une certaine heure, je finirai plus tard. Comme ça, ça nous fera plus de fun, plus de fois. Et ça, c'est beau. Dégage, dégage. Ouais, bah ça, c'est pas ouf, par contre. Mon E, il est pas ouf. Mon A non plus, il est pas ouf. Ah, c'est dommage. Et mon boubou, bon, bah... Ah, j'aspire leur... Ok, j'aspire leur énergie à eux. Putain, trop cher. Alerte, dégâts sur ma coque. Oh putain. Ah, et t'as cru que j'étais pas là, mais en fait j'étais là et je t'ai eu. Voyou de flamme paré. Pas comme ça. Dégâts excessifs, alerte, alerte. Ton ennemi abattu. Ok. Ok, le Hulk smash avec du feu. Oh le bordel! Hop. Ouais, non, mais ouais, il fait un certain nombre de dégâts que je saurais apprécier. Cadeau. Ok, Pilot, et si tu passais contre quelqu'un à ta taille? Voilà, mais j'aime trop. J'aime trop tirer des missiles aussi. Moi. Je peux marquer quoi ? À toutes les unités, attaquez l'ennemi. Voyons le sable paré. Oh là là. Eh hey, mais. La Katushia dans les épaules, sérieux, c'est vraiment trop bien. Pour réaliser d'énormes progrès. Merci. C'est gentil. Brut. Je suppose que ça va être... comment dire... tactile. Survoler un champ de bataille et décocher des missiles. Oh là là, oh ok, c'est le tout de. Pilote, ce monte charge va vous aider à traverser le complexe. Consultez. Ça marque tous les 3 hits, tu peux en marquer plein, d'accord, ok. Un nouveau raccourci. Ayez confiance. Bien, faut que j'aille. Attends.
Tramway. Alors cette arme, c'est que en campagne au passage. Ah. J'imagine qu'elle doit être assez craquée. Non, non, mais hé, non mais par contre. Coucou. Mais il est trop bien. En plus il y a des trucs, ils font des petits mouvements et tout, il est vraiment trop trop bien. T'inquiète pas, en orange, je te mets une nouvelle peinture. Attaque d'infanterie ennemie. Ouais, t'inquiète. Impossible de traverser ce complexe sans passer par le mont de charge. Mais non, mais mec, mais à chaque fois, il me lâche dans les pires endroits du monde. Ouais, alors, ouais, vous étiez là. Petit Spitfire. Magnifique. Works perfectly, comme on dit. Monte charge activée. Arrive. Oh, un Mozambique. Tu peux absolument pas tuer quelqu'un avec sur Apex. Mais he's ok. Pilote, j'ai besoin d'assistance. J'arrive. Alerte. Titan ah. Non autorisé détecté au quai de chargement 13. Mais non, et mon Titan. Titan sur zone de réaffectation technique. H à Kappa 3. Faille de sécurité détectée au quai de chargement 13. Mon Titan. Reçu. Kappa 3 mobile. Mais non, mais. Pilote, impossible de m'échapper. Mais mon Titan, espèce d'enfoiré. Mais rends-le, mais rends-le moi. Mais c'est le mien. Oh l'enculé. Il m'a piqué mon Titan. Le petit fils de pute. Putain, j'ai plus de haut. Je me suis fait Titan jaqué. Mais y'a que moi pour me faire Titan jaqué, sérieux. Demande assistance. Et va vite. Oh, une dévotion. Bon, dévotion Spitfire, je vais faire dans la subtilité. Voilà, j'adore la subtilité. T'entends la subtilité? Oh, c'est vrai que elle va de. Ah, plus tu tires, plus elle va vite. Oui, alors j'ai pas le temps de d'apprécier les armes. Mon Titan, s'il te plaît. Oh, oh là là, oh. Ouais, c'est super profond, dis donc, ça se fait pas peur. Haha, j'ai vraiment pas peur du vide. Pilote, Cooper, si vous me recevez, on m'emmène à la sous-station du complexe. Putain, il commence déjà à m'appeler mon petit nom. Censé être un raccourci, BT. La Stimosa avait peut-être raison. Aucun plan ne résiste au premier contact. C'est vrai. BT, comment je te retrouve? Suivez les conduits vers les niveaux inférieurs. Je perds le contact. Non! Non, Bébou! Bébou! J'arrive, Bébou! Je vais te sauver! Nanana! 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 Oui. Oui, mais vous, je vais être vigilant. Aïe, 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 je vois rien. Je vais pas dire. On est trop qualifiés pour se taper ces crevés. Je piche pas pourquoi on doit obéir. Ah, ils m'entendent quand même. Ils me voient pas, mais ils m'entendent, ok. Ah, voilà. Ah, ils m'entendent plus, là. Blisk, ici H. J'ai un Titan de classe Vanguard. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je m'en cogne. Détruis-le. Et le pilote? On s'occupe de lui. Ce complexe est truffé de pièges. Je devrais pouvoir... Attends, parce qu'il y a du platforming. Je suis... Oh là. Je pas pour ça. S'il faut, ta carte. Attends, j'ai pas compris là. Pilote, je suis convoyé sur une ligne de montage. Il y a peut-être une sortie commune. Je vous recommande de suivre le trafic des plateformes. Pilote, ce complexe est extrêmement dangereux. Surtout à proximité de la ligne de montage. Oh, ça m'a fait peur. Non, ça m'a fait peur, j'ai stressé. Non, non. Non, mais j'ai stressé. Et le pilote? On s'occupe de lui. Il est là, il tout va bien. Il est en chair et en os, il est pas tombé deux fois dans le vide. J'arrive. Je te plais pas pour ça. S'il faut, t'as qu'à se faire péter. Putain.
Blisque terminé. Un gros cuck. Mec, ça fait trop peur, ça va trop vite, regarde. Je vous recommande de suivre le train. Ça passe super. Ah, vite. Pilote, ce complexe est extrêmement dangereux, surtout à proximité. C'est trop de loser. La ligne de montage. Pas très gentil ça. C'est la réalité, mais ça va être vraiment... Je sais pas ce que c'était, mais je ne fais pas de prisonnier. Alors là normalement je suis mort. Oui, une grenade. Là normalement je me suis pris le truc dans la tête. Genre dans la Non mais comment j'étais censé savoir moi aussi? Je disais tout allait bien se passer. Je vais juste m'échapper et on va ride tranquille. Non, non, non. Oui. Non, je vais pas non plus mourir sur tout le... Oh, la vermeur. Non mais j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé les passages secondaires moi, vous savez. Je le savais, je l'ai vu monter. Je l'ai vu monter. Je voulais sauter et je me suis dit non mais en fait non. Je vais pas faire ça. Je suis nul à chier. Putain, j'ai pas trop... J'écoute la track un peu. Et c'est dommage qu'elle soit pas un peu plus présente parce qu'elle a l'air vénère de fou, hein. Ok. Du premier coup, eh oui. Eh oui. Oh là là, ça me tape. Et je suis même pas à fond. Aïe 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 aïe. Putain, y'en a du monde. Ah, bonjour. Oh oui, putain, au revoir. A tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, j'ai dit. Tiens, mange ça, robot. Mec, il doit s'éclater la main, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave. Ouais, non, mais passer par là, c'est pas le plus, logique. Voilà.
Faut mourir, madame la tourelle. Merci. Bon, maintenant, faut que j'aille où? Je viens où? Je viens de là. Faut que j'aille là-bas. Pilote, je traverse une zone stockant des structures préfabriquées. Nous nous rapprochons. Continuez d'avancer. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer, BT? Incertain. Mais l'IMC ne construit probablement pas des maisons. Elle préfère les détruire. Ron ron ron, politique. Guerre. Vérité. Ouais, c'était pas bon jouant. C'est un petit robot. C'est pas un petit robot. C'est pas un petit robot. C'est petit Woody. Non, non. Trois fois. Ça fait trois fois. Oh putain. Mais vas-y, on est bien sur la petite plateforme, c'est pute. Je peux en avoir une d'ailleurs, hein. Merci. Mais c'est pas de ma faute aussi. Le jeu il dit pas. T'as vraiment pas de chance. Le jeu il me dit d'arrêter d'avoir du feu et de tirer sur les trucs quand je suis en mouvement là, c'est pas drôle. Est-ce que... Oh je peux. Non mais là il y a quelqu'un qui a un truc contre moi là. Non mais là c'est... Enfin là c'est le coup du sort là, enfin... Je traverse une zone stockant des structures préfabriquées. Nous nous rapprochons, continuez d'avancer. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer, BT? Incertain. Mais l'IMC ne construit probablement pas des maisons. Elle préfère les détruire. Mais j'étais pas là, mais j'étais dans le vide. Le jeu il a dit non. Ouais non, le jeu il m'a deny. Mais... Pilote, je traverse une zone stockant des structures préfabriquées. Nous nous rapprochons, continuez d'avancer. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer, BT? Incertain, mais l'IMC ne construit probablement pas des maisons. Elle préfère les détruire. Aïe 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 aïe. Putain mais les zones sont gigantesques hein. Littéralement, he's fixed. Putain de robot de merde. Ah. Le bruit des douilles là, il est magnifique. Ils sont tellement fiers de leur bruit de douille, mec. Tu me l'entends à 15 bornes. Bah mais t'es où?
J'ai aucune idée d'où il faut que j'aille, hein. Genre, vraiment. J'ai... Par là. C'est logique. Bon, j'espère. On peut allumer le quand même. Quatrième écrasement. Non mais non. Non. Non mais c'est toi qui me porte. C'est toi t'es chétane aussi là. À dire des trucs comme ça, mais forcément. Ah, merci Hadès, bravo. En plus, c'est les écrasements les moins probables du monde. J'y paye paille. Bon, là, avec jus de papaye. Lul. Je peux pas mourir derrière un canapé. Et non. Je pleure de rire. Mais c'est le principal. Je crois que j'ai bien fait de sortir parce que sinon j'allais être enfermé. Il y en a beaucoup. Non mais y'a pas jamais 405 hein, c'est bien connu. Si, fallait que je reste dedans là. Ouais, j'ai l'impression qu'il fallait que je reste dedans. Je vais aller dedans. Ah mais c'est juste un mur qui met. Oui. La chance m'a abandonné. J'ai vraiment juste aucune chance, quoi. Genre, vraiment, le jeu, le jeu se moque de moi. Salut, Naruto. Comment... Non, je... Non, pas encore. Yes. Ça fait peur un peu. Comment ça va, Naruto? Je penserais pas... Je penserais jamais à dire des trucs comme ça, mais... au moins, ça m'est arrivé. Merci de check des trucs dans ma bucket list. Non, mais moi, je bouge plus, là. Moi, j'ai mon petit contre... Mon petit préfabriqué, là. Je vais aller m'installer en Corrèze. Mec, j'ai chaud en plus. Yeah. Hop, l'étage. Ouais, l'étage. Du bordel. Arrêtez. Tranquille, et toi? Oh, t'as pas serein là, mais sinon. Ah,
Non, ça va. Ça va vite. Mais normalement, de toute façon, on devrait plus avoir de plafond là. Qui m'écrase, on va dire. Ah, il y a une porte. Si je me... Bon, voilà. On va pas là-dedans, hein. Pilote. Non, c'est bon. Avec ma chance, cet endroit va nous tomber sur la gueule. Cela serait plutôt malchanceux, il me semble. Oui, enfin, oui. Ça va servir de se passer nickel. Oh, parce que... Comme un lundi. Mais regarde, en plus, je suis avec Suzy, là. Suzy, tu me sers un petit café, s'il te plaît? Merci, Suzy. Dans ma petite maison, là, petite maison de campagne. Il y a la petite biblio, là, remplie de plein de livres. Je crois qu'ici, il y a un QR code pour lire le livre, en fait, parce que dans le futur, du coup, il y a plus de pages, en fait. Juste un genre de livre serveur. Et puis là, il y a du... Hein, oui, bonjour. Là, madame. Bah, j'arrive. Très bon film d'ailleurs. Là. Ah. Très bon film d'ailleurs. Et Zéberdi. Pilote, vos meilleures chances de sortie se trouvent au niveau du dôme en surplomb. Wouah. Par contre, les perspectives, c'est Kenny. Hop. Alors je sais pas comment je glisse pas là-dessus, mais on va dire que je suis anti-gravitationnel. Ouah, je l'ai sorti en une fois ça. Jure la vie de ta mère. Je ne vous exécuterai pas sincèrement. Je vous le garantis. Non, ça c'est un mur. Ouais, c'était un mur, c'est bon. Je ne me suis pas fait eu. Petit casque. Ah, c'est absurde. Bah, c'est absurde, pas par là en fait. C'est absolument pas par ici. Ah, ah, ah. Ouais, non, l'entreprise est galère. Recommençons. Sereinement, tranquillement. Enfin, je passe par là en fait. Oh là 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 là, j'aurais tellement pas confiance. Je t'ai dit que j'avais un peu peur du vide quand même. Je sais que j'avais le vertige. Mais... Scénario de simulation activé. Reconfiguration terrain. Au revoir. Encore en vie. Oui. C'est là-dessus? Ouais. Ah, ça va, elle nous fait pas tomber. C'est un... C'est des beaux montagnes en JPEG, hein. Non, oh, trop bien, je peux... Putain, je peux ride sur les murs holographiques. Oh, trop bien. Je m'amuse hein, en attendant qu'elle fasse le terrain. Non, parce que bon. Madame n'a aucun humour. Chargement du scénario 1-2-7 dans le dôme de simulation dynamique 3-1-4. Je t'attends, hein. Ah, oh, ah. Voyons un peu ce que vous valez. It's not fun anymore. Ah bah non, ça va.
Ouah, y'a la lune. Dans le Thunderdome. Mec, trop bien des épreuves dans le Thunderdome. J'y prends déjà mes marques. Déploiement des cobayes miliciens. On aurait pu juste faire du parcours, hein, honnêtement. J'ai cru que c'était des ennemis déguisés en amis. C'est parti. Déploiement des spectres. Des spectres ? Qu'est-ce ? Pilote, votre rythme cardiaque s'accélère. Tout va bien ? Je suis un peu occupé là. Si vous combattez, camouflez-vous. Vous serez temporairement invisible. Merci. Initialisation du programme test. Faucheur IMC. J'aime beaucoup comment ils balancent les grenades. Il vient de les démolir. Genre ni plus ni moins, il vient de les annihiler. Vidéo pilote titan réinitialisé. Cooper, les maisons contiennent des caches d'armes. J'en ai vu sur la ligne de montage. Et moi je prends super cher quand je me fais tirer dessus, alors toi aussi s'il te plaît. Voilà. Intégration d'un nouveau faucheur au scénario test. Ouais, ils sont tous morts. Parce que c'était déjà pas assez compliqué comme ça. La putain de toi. Mais elle monte vraiment partout ces connasses en plus, hein. Peut-être parce que je suis bon. Hein. J'ai pas pu grimper, je me suis fait exploser. Je crois, en plus, il m'a rushé derrière, donc j'aurais rien pu faire. Ah, fait chier. Ah, dommage. Opa, je suis désolé de bailler comme ça comme un gros sac. On peut les sauver ou pas eux? Chargement du scénario. Je sais pas s'ils sont obligés de crever ou on peut les sauver. Je me tire. Oh bordel de merde! Pilote, votre rythme cardiaque s'accélère. Tout va bien? Je vais occuper. Si vous combattez, camouflez-vous. Vous serez temporairement invisible. Tu penses que Kojima il avait joué à Titanfall 2 avant de faire Death Stranding ou pas? Et que tout au long du jeu c'est juste une ref ABT. Donc on peut pas les sauver et... Ah oui. Ah, il les encule, mais sévère, hein. Vidéo pilote titan réinitialisé. Cooper, les maisons contiennent des caches d'armes. J'en ai vu sur la ligne de montage. Vos tactiques m'impressionnent. Vous n'avez rien à me dire si je déploie pour ce c'est pas comme si j'avais déjà des choses à dire, quoi. Vu que je suis dans la merde. C'est terrifiant, ça. Il m'a gavé des débuts. Non mais c'est parce que les méchants. Un des trucs qui peut te bouffer c'est les bêtises. Les BT quoi.
C'est juste une petite blague. Petite blague nette, mais. C'est absolument pas pour ça qu'ils s'appellent les bêtisants dans Death Stranding. Même si ce serait vachement rigolo que ce soit juste finalement une ref. Ah, ok, donc non, là, je fais vraiment pas. C'est vraiment les ces connasses là, elles me terrifient. Tu peux plutôt renégocier le mien qui finirait en je vous laisse la vie sauve et en plus je suis la vite. Il peut passer les portes. La porte s'ouvre. Espoir, on se prépare à intervenir. Pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Oh la dévotion. Y'a pas mal aussi hein, Mickey. J'ai oublié ce détail. Pilote Cooper, tout va bien? Respire encore, et toi? Opérationnel, mes positions compromises. J'ai détecté une brèche sur le mur extérieur. Partez tant que vous le pouvez. Mise à jour de votre ADH. J'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué en fait. Bah non. Enfin, elle est vraiment bien la dévotion sur Apex, mais il faut savoir la jouer quoi. Enfin comme tout tu me diras, mais faut avoir les munitions surtout. Hop. We were inside all along. This wasn't les Alpes. Ok. Eh bien on s'en est sorti du dôme. Quand même, c'est une très grande plongée. Ok. Plongée. Oh non. Cet environnement, la Portal 2, je kiffe. Ah, c'est toujours kiffant, les... pas les tuyaux et les murs, mais... les trucs comme ça, souterrains, les grosses bases souterraines, c'est vraiment trop bien. Dis-moi que t'as buté ce pilote. Je suis sur le coup. Arrête de jouer et remplis ta mission. Je n'ai pas le droit de m'amuser. Attends. En bossant. Pas au détriment du boulot. J'y compte bien. Est-ce que c'est la VF? Avec le montant de la prime, tu pourras t'acheter tous les jouets que tu veux. Secteur 4, Charlie, non. Déclencher les charges. Non, 21 je me demandais si c'était... merde, comment il s'appelle ce con? Le rappeur qui bat sa femme. Et qui est dans ma Benz and Benz. Je croyais que c'était lui. Certains trouveront cela excessif. Quoi qu'il en soit, évacuez les lieux immédiatement. Restockage, zone de confinement des rôdeurs. Qu'est-ce que ça va être ça? D'accord. Ouais, je suis pas fou hein, d'épée, on dirait. Pilote, je ne sais pas ce que vous on dirait jouer Star. Mais une série d'explosions a affaibli le bras robotisé. Je suis libre. Alors là, par contre... C'est pas... Ah si, je tiens. Bien plus tard de mêler les boss quand la vie est achevée. Oh, ok. Cet endroit va s'écrouler. Repli recommandé. Vous êtes près de ma position. Vérifiez votre ATH. Si le chaos...
Il n'y a pas de dégâts dessus. Non, il y a un problème. Oh, on dirait. Oh. On dirait vraiment Joystar, hein. Le méchant. Alors là, par contre, je me suis mis dans la merde. On est d'accord. Ok. C'est bon. Eh, pay cab. C'est un environnement dangereux. Je vous suggère de monter dans le cockpit. Ouais. Je vais monter dans ce cockpit. Voilà, déjà lui on va le calmer. Pareil. Toi, bon, tu vas manger un petit peu de puissance de naturelle, hein, de l'homme. Alors. Can you explain that, Ateish? The power of God. Ah, ouais, mais le pouvoir en cas de temps, il... Bon. Non, trop bien. Ah. Ah, mais attends, c'est la merde. C'est bien Joestar qui... Jure, c'est Joestar qui double le méchant, mais c'est trop bien. Mais comment ce jeu a pu se casser la gueule? Ah, il y a un chien qui a mangé, mais c'est pas le chien que je voulais. J'ai l'impression que je peux pas le toucher. Ah, bah si. Ah, monsieur. Pilote, je détecte une sortie au-delà de ce dôme. Vérifiez votre ADH. Tu passeras pas. Mec, c'est trop bien. Pourquoi personne l'a dit? Pourquoi personne n'a parlé que c'est de ça? Oh. La première personne a dit que c'était lui qui le doublait. Sur Discord, j'en ai entendu parler zéro. Alors que pourtant, putain, c'est joué Star. Merde. Dans ma peine, Vince. Oui, bah. Ah. Ah, bah, moi, pareil. Oh là. Ouh. C'était. Splendide. Pilote, je détecte une sortie au-delà de ce dôme. Vérifiez votre ADH. Tu tires comme un putain d'amateur. Attends, mais c'est pas ça que j'avais. Ah si, c'est ça la brute. Dégage excessif, alerte. Il me faisait sortir en plein milieu de la sortie des grosses licences plus connues, donc il s'est pas fait trop plus. Ouais, je sais. Et puis il est là un peu aussi. Et merde. Il a un petit peu enculé, hein, clairement. Ah, mais je peux juste fuir. Mais il est goûtu un peu. Ça, on l'a dit et redit, et puis on le dira et le redira, hein, mais. IE n'y est pas pour rien dans l'échec de Titanfall 2. Hein. Échec qui est pas mérité, clairement. Putain de jeu de mecha, comment tu peux ne pas gagner avec un jeu de mecha? She's fixed. Please give me une grosse prime sur votre capture, pilote. Mort ou vif, vous avez de la valeur pour moi. Allons-y. Ok. Allons-y, bébé. Oh, c'est trop bien. Training from above. Ah.
T'as vu, je suis un streamer, du coup je fais des refs Overwatch. Mais ça fait trop de dégâts. Mais attends, mais elle a pris trop cher la demoiselle. Pas nécessaire. Noyau devant apparaître. Ton recours au noyau prouve ton manque d'expérience. Noyau de vol hors ligne. Tu n'aurais pas dû faire cela, pilote. Très bien. Oh, oh. Ah. Ah. Ton ennemi abattu. Oh, eh ben. Eh ben. Annulé. Accès à la oh surface. Putain. Pilote, le protocole de confinement. Ah c'est sale. Je suggère de quitter par le tunnel. Oh j'en ai fait du hachi. Putain de merde, mais je vais le faire tout le temps, c'est trop bien. C'est le prince déchu d'FPS. Ouais non, ah bah c'est. Attends, pilote. Je vais noter la phrase. Le prince déchu d'FPS. Et je le mettrai en titre à YouTube parce que c'est la vérité. Voilà, hop, pardon. Voilà. J'en conclue que nous devrions éviter les raccourcis. Et il est en plein des comme ça à chaque boss. Oh putain. Il y en a des différents pour les boss ou pas au niveau de la rejouabilité? Ou c'est juste ils sont différents pour chaque boss? Attends. Si c'est bien ce que j'ai dit, c'est bon. Est-ce que un boss en a plusieurs? Ou est-ce qu'ils sont juste tous différents quoi? Enfin, chaque boss a le sien. Tous les fonds d'écran, tous les fonds d'écran sont des wallpaper matériaux. Faut juste enlever le journal de coupé et c'est et mouah, un bonheur. Ah, effet et cause. Pilote, le major Anderson est ici. Explorez ce complexe. Je vous retrouverai de l'autre côté. D'accord. Ne fais pas encore capturer, BT. Non, il y avait un c'est trop calme. Oh, fais chier. J'ai vite rien aussi. Eh non mais vraiment il a de l'humour en plus, c'est trop bien. Les équipes travaillant sur l'analyse de l'arche sont attendues à la salle de conférence pour la présentation du général Marder. Merci. The fuck. Il y a plusieurs par boss et par arme de ton titan. Oh. Ah c'est cool ça. Pour la rejouabilité en vrai c'est vraiment sympa. Ça te force pas, mais ça te pousse à refaire le jeu. What the fuck, d'ailleurs. Oh, des humains. Oh. J'ai un mauvais pressentiment. Ces perturbations temporelles peuvent causer de telles afflictions. La procédure médicale J12 ah, donc, recommande de respirer. D'accord. Des afflictions temporelles, donc carrément. Mais c'est trop pas bien en fait, mais c'est trop stylé. En neutralisant radicalement les forces de la milice, nous allons en fait préserver la race humaine. Et surtout accroître sa présence. Ah. Pour un futur prospère et radieux. Je finis parce que bon. Apparemment Respawn n'a plus de thunes. Mais n'oubliez pas notre objectif. Oh si. Non mais vas-y, attends. Demain, je passe ma journée en amphi, frérot. C'est bon. J'ai assez donné. C'est quand même super beau. Ouais. Mais c'était qu'un pauvre petit ro... Beau. Ils ont des ptérodactyles. Oh putain de merde. C'est quoi cet endroit?
L'IMC possède de nombreux centres de recherche scientifiques sur la frontière, mais celui-ci est différent de tous ceux recensés par la milice. Comment ça ? Ces grands anneaux au centre du site ne sont pas une technologie de l'IMC. Leur origine et fonctions sont inconnues. Non, jure, il y a plein de l'or en plus. Oh là 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 là. Oh, je vais encore plus détester Yé après. Je détecte les traces de ma propre signature dans ce lieu. What? Ces distorsions affectent probablement mes analyses. Même la VF de BT, elle est connue. Ces animaux me font penser à ceux d'Avatar. C'est vrai, ouais. Les trucs volants du coup d'Avatar, hein. C'est vrai qu'ils ressemblent un petit peu. Intéressant. Je détecte les traces d'une énorme explosion dans le complexe, mais les données de votre casque ne les ont pas relevées dans l'autre dimension. Ces dépouilles ne correspondent pas au profil génétique d'Anderson. Peut-être est-il vivant. D'accord. Dans le 1, t'avais des oiseaux qui faisaient la taille d'avions de ligne. Oh là 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 là. Mais je comprends... Oh. Non, d'accord. Je recommande d'examiner la réception. J'aurais aimé vous escorter, mais mon châssis est malheureusement trop grand pour la porte. T'as de la chance. Sarcasme détecté. Bien ouais. Ah. Ah. Oh. Ah mais ils sont là depuis depuis longtemps quand même. Ils ont élu résidence. Ah, quel humour. Ça, Franck Dubosc. Ouais. Ce casque d'Anderson contient peut-être des données utiles. Veuillez le récupérer pour analyse. Ah. Alors, il a un peu mal fini, le copain. Attends, c'est quoi cette ronche, là ? Mais... Pourquoi il est comme ça ? Pilote, apportez-moi ces casques pour que je l'analyse. Mais vas-y, j'ai pas vu ! J'ai pas pu lui dire qu'il était dédo ! Mais pourquoi il a cette gueule-là, ce fou-là ? Pourquoi ça pue la reine ? Vous me confiez le casque d'Anderson, je pourrais l'analyser. Tellement joli et stylé. Putain. Anderson étant mort, le commandement de l'opération spéciale 217 vous revient. Je vous félicite pour votre promotion, pilote Cooper. Voici le briefing de mission donné à Anderson par le commandant Sarah Briggs de l'ERS. Encore une brise. Major Anderson. Il y a 2 semaines, nous avons intercepté une liaison de l'IMC. Ils ont découvert quelque chose sur Typhon. Un souffle d'énergie énorme a provoqué des distorsions singulières. L'ERS doit s'infiltrer dans leur complexe. Compris. Je vais en apprendre plus. Cet appareil ramené. Mais tiens, c'est le célèbre Antoine Thomé qui est le double. Ah, je connais pas. Il a doublé quoi d'autre plutôt ? Ça je saurais, mais... Quelque chose de crucial. Alors surveillez vos arrières. Antoine, je suis désolé, mais ton nom ne me dit rien. Alors ne faites pas cavalier seul. L'ERS est une équipe. Elle a pas fait cavalier seul, ils sont tous fait démonter. Nuance. Pilote, les données obtenues par le Major Anderson semblent incomplètes. Ok. Il est de notre devoir d'accomplir l'opération spéciale 217. Avant d'agir, je suggère de retrouver l'appareil qu'il portait au poignet. Anderson n'avait pas d'appareil sur lui. Il doit être sur l'autre moitié de son corps. Brèche repérée dans le bâtiment de sécurité. Je vais ouvrir le passage. Bien volontiers, ne m'écrase pas s'il te plaît. Je vais rester ici analyser cette structure circulaire pendant que vous cherchez. Putain, lancé, ouais d'accord, c'est Lambert que ça me faisait penser. Et si on connaît l'Irving. Ah non, oui, oh, je suis débile. Oh putain. Pas mal, la prochaine fois t'as qu'à me lancer. Entendu. Je rigolais! Non mais je rigole! Non mais j'ai rigolé! Bon bah il a pas du. Il connaît pas du. Eh bien il va me lancer!
Oui. Individu non autorisé repéré. Activation de la sécurité automatisée. De quoi ? Oh, ça c'est pute ça. Il est pas mort. Ah, ils sont pas morts. Oh là là, mec, je suis deux tenses. Mais du coup, le mastif, il est bien. Le combo mastif R97, il est désastreux. Enfin, pour les ennemis. Cadence de tir du machin. Mais attends, il y a beaucoup trop de monde là, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde se réveille comme si ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas bougé? Je peux me faire taper là ? Non, je peux pas. Oh putain, ouais, par contre là je peux. Non, j'ai des. Oh, c'est trop cool ça. Attends, les rechargements de jeu sont vraiment aussi super soignés. Journal du docteur Alexander Darren, 14.6. Ah bah, fini. L'intrus a des technologies inconnues et massacre nos équipes d'intervention. D'après Tyler du service Faune Sauvage, deux équipes ont été abattues en quelques secondes aux ascenseurs par un homme seul. Eh bien. Ok, Terminator. Ravi de te connaître. C'est tellement. Mec. Il me suit. Mais regarde-moi cette armée de zombies, mec, c'est terrifiant. On dirait pas une map nazi zombie, genre pour de vrai. Les trucs en feu, regarde. À deux doigts d'avoir la boîte et de tomber sur le pistolet laser. Wouah! Wouah, ça c'est. Oh, pardon. Désolé. C'est pas possible. Alors ça. Quoique de la fuck! Tous les robots sont réveillés. C'est terrifiant. Hein. Dans le passé, ils ont été programmés pour te tuer. Ils ont pas oublié. Ah, ça, ils ont eu un peu de mal. J'ai l'impression. La voix de BT me perturbe et je trouvais pourquoi. C'est aussi la voix du chat de Cheshire dans Alice Madness Returns. D'accord. Ah oui. Ah, il y a une moitié qui dépasse. Non, mais par contre, la temporalité là, c'est terrifiant. Hein. Avec les robots et tout, c'est. Ouh, je. Quelqu'un a culotte un peu. Hein. Eh. Du fied. Désolé. Qu'est-ce que c'est ça? Non! Oh, c'est trop trop bien! Alors, ça par contre, c'est fou, hein! Regarde, il balise un peu lui! Alors, ça c'est complètement fou! Pilote, j'ai conféré certaines de mes fonctions d'IA à cet appareil pour pouvoir communiquer au-delà des altérations temporelles. On dirait, en fait, on dirait les monstres d'Avatar au niveau du corps.
et on dirait les mutos au niveau de la gueule. Genre ça c'est les mutos de Godzilla, hein. Je suis désolé mais je suis pas désolé d'ailleurs, c'est complètement les mutos de Godzilla. Ça me tue ? Je mets ici. Repérez en direction du service faune sauvage. Évacuez les chercheurs et créez un point d'étranglement. Bien. Filet laser additionnel activé. Pas de pointé. Eh, c'est vraiment trop bien. La gueule. Wouah. Mec, ça doit être terrifiant de voir ça. Ah, attends. Contrôle. Ah non. Nous avons repéré l'intrus, mais ses mouvements sont erratiques. Non, mais attends. Oh là 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 là. Oh putain. Fonce sur la nuit, t'es plutôt au dernier moment. Mais attends, mais mec. Mais je suis en train de les... Je suis en train de les tuer dans le passé en étant dans le futur. À cause de trous temporels. C'est niqué de la tête, je kiffe. Merde, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de me TP. My bad. Mec, c'est, je trouve le principe est complètement ouf, j'adore. J'adore le massif. Merde, je peux plus exécuter. Ouais, du coup là je peux finish à gogo mais j'y arrive pas. Ouais, et puis j'ai pas besoin non plus forcément donc Non. Est-ce que je me suis sauflock là? Je crois que je suis pas censé aller là. Mais si, mais il y a des guns. Comment je remonte? Comme ça. Il meurt pas. Je serais toi, je ferais un aller-retour. TP, toi, en wall ride. Ouais, bah, j'ai pas eu besoin, apparemment. Hein. J'ai un petit peu niqué le système. Voilà, je veux juste les casser. C'est juste pour... juste l'envie. Enfin, là-dedans. Ah. J'aurais juste pu passer par là, mais... C'est vraiment super stylé, hein. Enfin, mais face à ça, mais tu peux rien faire. Ouais, non, attends, j'ai tenté un truc, mais ça va marcher. Sinon, c'est un C4 dans le passé, mais que tu fais BD dans le futur, ça marche. Attends, je vais voir. Parce que je voulais essayer, mais je me suis un peu niqué. Et je crois que ça marche pas. Attends, j'ai lancé un C4 dans le passé. Non, ça marche pas.
Faut en prendre un deuxième du coup. Je vais faire une petite surprise, on dit rien. Surprise ! Je l'ai pas mis dans le bon temps. Attends. Je vais la récupérer. Donc Aïe. Surprise. Putain. Non mais on s'y perd. Oh attends. Ah ouais alors. Voilà. Surprise. Surprise en retard, mais surprise toujours. Hop, voilà. Ah ouais, il doit se chier dessus, hein. Voilà. Je suis sûr que t'es même pas obligé de retomber, genre tu peux faire ça jusqu'à ce qu'on est tout en haut. Ah bah je suis tout en haut mais c'est pas là qu'il fallait aller. Tu m'as l'air d'être un méchant. Un extrait du journal incomplet d'Anderson pourrait bien nous aider. Lecture du journal. Journal d'Anderson 341. L'IMC a découvert qu'on pouvait courber l'espace. Mec, c'est tellement niqué. Genre, en termes de guerre, t'as ça, tu peux pas mourir. Genre, t'as gagné par défaut. Anderson terminé. Fuck you, bitch. Ah, c'est par où? C'est par où je me quiesse? Bah... Faut que j'active un truc? Oh là 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 là, bah oui, mais forcément! Bah merde! Il y a une porte qui est ouverte que j'ai pas vue? Ah bah! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Laissez-moi sortir. Merci. S'il est mort en instant, c'est qu'il était pas doué. Ouais. Bon alors, je dis... je sais pas. Des fois, c'est pas de chance, des fois. Hein. Ça arrive. Portail, il est passé où ?
ça fait quoi? D'accord. Ok. Non mais ok. Non mais d'accord. Non mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Journal d'Anderson 342. La source d'énergie du distordeur est appelée l'Arche. Mais du coup, c'est nous qui les tuons? C'est nous qui les tuons? On dirait qu'ils n'ont pas fini. Mais est-ce que lui les a déjà tués? C'est ça le truc. Celle-ci est vide. L'Arche doit être ailleurs. Anderson terminé. Arche prête pour livraison. En transfert vers la chambre d'essai. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Lui il a dû passer en fufu. Mais c'est bien moi qui tue tout le monde quoi. Non ouais non bah ouais non bah ouais non non. Non mais des fois réapparaître t'es pas au bon endroit, c'est pas ouf. Pour livraison, en transfert vers la chambre d'essai. Mais non, bah non, bah je veux pas la lancer, je la lance quand même. Tiens, attends. Le complexe est vraiment super stylé hein. Je parle pas vraiment beaucoup mais je suis un peu sur le cul. Je peux pas mentir, je suis vraiment un peu sur le cul. On va passer par là. On va pas passer par là vu qu'il y a que des trous en fait. Bah non mais le jeu il me tente aussi. Tuer les robots dans le passé avant qu'ils s'activent pour pas les avoir dans le futur. C'est pas cela? Putain, c'est complètement stylé par contre ça. Hein. Ouais, bah ouais, je suis un gamer, hein, je peux faire deux trucs en même temps moi, hein, le jeu. Hein. C'est pas ça qui va me tuer. Ça me tue vraiment. C'est quoi ça? Oh non non mon LGM. Oh elle a rebondi. Ok. Je vais pas retourner dans le passé tout de suite parce que il y a une connasse qui va me faire chier. Tu sais où, j'ai pas envie de la recroiser. Hop. Et moi j'ai la même hein. Je me suis fait exploser. Non mais je me suis... Ah putain, je suis là. Oh, je vais aller... Ah d'accord. See you. Non, je le savais. My bad, désolé.
Oh là là, oh le timing. Non, de casque là, j'ai vu. Oh, ça brûle. Ça brûle. Pilote, les anneaux retiennent ici une grande énergie résiduelle. C'est l'endroit où l'arche a été testée. Le plan d'Anderson impliquait une mission de reconnaissance au centre des anneaux. D'accord, ok. Si nous obtenons la signature énergétique de l'arche, la flotte milicienne pourra retrouver son emplacement actuel. C'est quoi ça? Bon, j'en ai l'audio. Du docteur Jefferson Boyle. Ils ont semble-t-il poursuivi le test de l'arche malgré mes avertissements. Ce mardeur obtient toujours ce qu'il veut. Non, vas-y, je ne sais pas comment, mais j'ai survécu. Pour l'instant. Eh ben, il visait le satellite de cette planète. Tout ça n'était qu'un essai. C'est une de nos planètes qui va suivre. Ils vont détruire Harmony et leur planning a été avancé. Ah. Je dois donner ces renseignements à Sarah. Oh merde. C'était le dernier enregistrement d'Anderson. Cooper, grâce à vos explorations, j'ai pu établir un plan. Bah oui, dehors. On rush pas comme ça, débile. Putain, c'est con, il a cassé sa machine. Onde d'hypergravitation. Oh, j'en veux. Donne un. Mimp. Et devant, les. Les bonnes ondes, les bonnes ondes gravitationnelles, miam miam miam, délicieux. Traverser l'espace-temps, redirection du flux d'ondes. Eh ben, tout ça dans un si petit corps. Déploiement des gardes automatisés dans les Ah. J'ai voulu niquer le jeu, mais il m'a dit bah non, bah t'es débile en fait. Ah. C'est ma tâche ? Ah bah non. Chargement. Oh, grand Dieu. Est-ce que j'en suis à la moitié du jeu ou un peu avant, les gars ? Parce que je pense que je vais m'arrêter dans pas trop trop longtemps. Retrouvez-moi aux anneaux pour obtenir la signature énergétique de l'arche. J'arrive. Oh, le combo de pain dans la gueule. Et j'y arrive plus. Et j'arrive. Descends. Quasi la moitié, bah je finis. Alors, je sais pas si je pousse un peu encore. Oh, c'est tellement bien les mines! Phalloscope. Oh, c'est stylé. Mais il y a plein de petits détails, c'est vraiment... C'est vraiment sympa. Oh. Nice. C'est vraiment sympa. Hein. Pilote, j'ai repéré la console de la passerelle qui mène aux anneaux. Je l'ai ajoutée à votre ATH. Non, mec, c'est trop classe. Mais... Il semblerait que vos actions dans le passé aient provoqué l'hostilité à notre rencontre des gardes automatisés dans le présent.
Aucun rapport, mais votre position sur le boycott de Fresco Lone, chez Riader. Puis sa mère. Ne sert à rien. Oh. Bon pénal. Oh, mais putain, mais laissez-moi tranquille, il ne faut pas qu'on discute. Ah, j'ai plus de balles. Ouais, on va pas discuter longtemps. Non, je trouve que c'est un boycott. Enfin, pour l'instant, ça lui fait plus de pub qu'autre chose. Et avec ça, il risque plus de faire un disque d'or que d'aller en tôle. Si tu veux. Donc, c'est un peu tant mieux pour lui, même s'il doit se chier dessus. Et ça va être assez compréhensible. Mais c'est. Hop, voilà. C'est cracher dans la soupe ce qu'ils font. La console de la passerelle est indiquée sur votre ATH. Vous devez la déployer avant que la zone d'essai du Distorder explose. Ils doivent pas comprendre leur vie, mec. Après, il a raison. Fouh, oh, j'ai eu chaud. Oh, yes, B. T'as cru que moi j'aurais été eu. T'as cru que t'aurais pu me eu. Bon, on me eu pas moi. C'est moi qui eu les gens. Non, après il y a la présomption d'innocence, du coup je vais pas trop parler là-dessus. Il dit là-bas, mais juste ce qu'en dit la Lycra. Et c'est le ministre de l'Intérieur, si tu veux. Ils ont d'autres problèmes à gérer. Enfin, surtout le ministre de l'Intérieur. Enfin, ils ouvrent leur cerveau deux minutes et ils se rendent compte que ça a pas lieu d'être. Mais bon, faut faire des retweets, hein. Pilote, j'ai repéré la. Moi aussi, je l'ai repéré. Non. Sinon, jouer au multi de Tenfeu, il est trop bien. J'ai pas de multi. J'ai pas accès au multijoueur. Ah oui, il y a pas mal de perdages. Hello, deux bébés. L'arche est en surcharge. Évacuation immédiate. Commande transférée au pilote. Mais mec, mais c'est... elle est trop bien, Lyon. Tout se casse. Oh là là là, tout se casse la gueule. Ah non, mais Origine il est pas down, hein. Hunter, lui, l'a très bien compris tout à l'heure quand il a fait, je cite, Origine down, 2 points, capa de points. Pilote, nous devons poursuivre la mission. Je vous suggère d'aller au plus près du centre des anneaux. Qu'est-ce que c'est que ceci? Pété. Oh putain, ça. T'as le feu au cul, salope. Eh, du bruit. Mec, c'est tellement... C'est... Alors ça, là, ce petit... Attends, il y a un mode photo? Il y a un mode photo? F10. Ah, j'ai pris un screen. Fait chier, il y a le... curseur, mais bon. Mais je comprends pas. À ton âge, Jadar, je dirais que t'es entre 12 et 40 ans, c'est bizarre.
Ah. Ils vont tous mourir après. Mec, je peux tous les tuer maintenant et ils vont tous mourir d'un coup après. J'adore ce jeu. La musique, elle est coum, hein. Elle est coumtière. Mais non, mais mec, mais c'est trop bien. Oh là là, tu peux pas savoir comment je kiffe ce genre de truc, hein. Non, 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 te réveille pas par contre. Hein. Ah là, c'est un Zawarudo. Comme on aime. Mec, il prend l'arche à main nue, ce fou. Tu réponds à ma question que je n'ai pas posée. Et voilà, t'as ta réponse. L'Aïon, c'est ma préférée, il y en a juste une qui est mieux, mais je dis rien. T'écrire. Éclate, synapse. Oh la gueule de bois. Oh là là. Bravo, oh, j'ai rêvé. Analyse terminée. Putain, c'était pas un rêve. Anderson, mais t'es, c'était pas un rêve. Détruire la planète Milicienne Harmony avec un distorteur à grande échelle. Pilote Cooper, la mission est loin d'être terminée. Nous devons transmettre ces données à la flotte. Et bien sur ce, je vais m'arrêter là et on finira une prochaine fois. Voilà. Voilà, voilà. Je vais juste attendre d'être revenu en mission et puis voilà. T'as quel âge, salopard? Pourquoi tu veux savoir? T'es flic? Mais tu mets pas ton doigt dans les anomalies comme ça, ça se fait pas? Mais si, mais attends, elle demandait aussi là, regarde, avec sa grosse arche là, elle était toute luminescente. Elle demandait un petit doigt, eh ouais, ouais, je la connais. Eh ben, dis. Oh, putain, comment ça en grimpant? Pilote Cooper, Anderson. C'est vrai, j'ai trop envie. Mec, c'est trop bien. Cette balise interstellaire devrait répondre à nos besoins. Mec, j'en veux plus! Espérons que l'un des nôtres sera à l'écoute. Il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer. Poursuivons la mission. Bon, mais je vais à la fac, con quoi. Avançons plus vite. Oui, non, mais attends. Du coup, moi, je vais couper là. Voilà, juste... Attends, je check les points de contrôle. C'est au début de mission ou pas? Ok, parfait. Avançons plus vite, pilote. Ok, voilà. Hop, oui. Du coup, je vous remercie d'être passé, les copains. Je sais qu'il est que 23h, mais je suis clacax. Ah, juste aller prendre une douche et aller me coucher. Mais merci beaucoup d'être venu, les mecs. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les follow et merci pour les subs. Hein. Ça fait toujours vraiment plaisir aussi, bien entendu. Alors, est-ce que demain, il y a un stream? Attends que je te dise ça. Ben je crois pas et je sais pas. Alors il y a rien d'annoncé. Du coup faudra regarder sur Twitter et sur Discord s'il y a un truc. Sinon on se débrouillera comme d'habitude. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé la première partie de Titanfall 2. Je t'avoue que je kiffe de ouf. Genre vraiment, je le montre pas forcément, j'ai l'impression de gueuler en permanence. Mais je kiffe vraiment, vraiment beaucoup de ouf. Les robots et le futur, c'est vraiment trop, trop bien. Du coup, on se finit ça la semaine prochaine, je pense. Parce que du coup, là, je dois être à pile poil à la moitié, voire un petit peu plus que la moitié. Du coup, ouais, on se finit ça la semaine prochaine, et puis ça aura fait une belle découverte. Je suis vraiment heureux. Et du coup, comme je le disais au début du stream, bah, je suis vraiment triste, parce qu'il n'y en aura plus jamais. sous ces mots doux, bonne nuit, et puis petite musique, et puis bah,